Bonsoir messieurs, bonsoir à vous. Nouvel épisode, on est enfin arrivé à faire quelque chose de propre. Bravo Benja. Bravo Benja. Six épisodes ont dû avoir lieu. On en perd nos notes. Mais aujourd'hui, on essaiera de pas avoir de problème technique. Normalement, l'écran ne devrait pas tourner comme à notre habitude. On a des overlays créés par Benja. On change de sphère. On se prend pour qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, faisons-nous plaisir et donnons ce plaisir à nos viewers. Bonjour à tous, toujours. Nous sommes donc pour ce sixième épisode de retour à la buvette, dans un nouveau décor, chez notre ami Clément. Merci de nous accueillir. On est bien ici. On n'est pas trop mal ici. On est pas mal. Le décor est beau. Le décor est beau. Merci pour cette décoration, Clément. De rien, Quentin. Je suis toujours Rémi, accompagné de mes confrères qui vont se présenter. Toujours Quentin, toujours le premier supporter de Benja à la prod. Et moi je suis Benja, l'ancien faux producteur, ça peut ressembler à quelque chose. Toujours Castelin, toujours premier supporter de la SSG. Oh, la SSG, on en parlera. On va peut-être en parler. On en parlera, bien sûr. Aujourd'hui au programme, nous allons faire, messieurs, donc une revue un petit peu de la Ligue 1. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas parlé de Ligue 1, donc on va parler un petit peu de Ligue 1, du PSG, de l'OM, de Lyon, du Clermont Foot aussi. Ouais. Voilà, on fera un petit débrief sur ce qui s'est passé sur ces 15 derniers jours et ce qui va arriver d'ici la fin de saison. Nous parlerons aussi des championnats européens, puisqu'on arrive dans le sprint final. Qu'est-ce qui se passe un petit peu en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Nous ferons un petit tour aussi sur le foot auvergnat avec Le Puy en National, Chamalières et Boulogne-Izère qui s'affrontaient ce week-end en National 2 et Saint-Genès-Champanais en R3. Voilà, et puis on finira par un petit quiz tranquille cool quoi, sans trop se prendre la tête. On commence donc par la Ligue 1, messieurs. Ligue 1. Et là, Benja, là, tu nous régales. Bien sûr. Là, tu nous régales. Ça fait 3 semaines qu'on l'attendait. Bravo, Benjamin, on n'a jamais douté de toi. Moi, j'ai douté de moi. Et encore, on n'a pas encore cette caméra, mais je crois bien que c'est Stratos, d'après ce qu'on lit dans le chat. Qualité incroyable de The Wizard 32. Bakushi, salut tout le monde. Retour de Fanoche 63. Coucou les gars. Retour de Fanoche 63. Ah, Fanoche 63. Coucou Cantinou. Coucou ma Fanoche. L'invité mystère. Ligue 1, messieurs, commençons par le premier de ce classement actuellement. Dis-moi. Et est-ce qu'on peut savoir peut-être du côté du chat si les micros, le son, n'exagèrent pas de leur faites-nous un retour si sur le son, ça sort bien. S'il n'y a pas d'interférence, si c'est pas strident, parce que là-dessus, on ne maîtrise pas encore. Ça doit être le dernier point phare à améliorer. Pourtant, c'est pourtant le premier truc qu'on a investi. Pourtant, on est équipé. On s'est équipé. Il y a autant de micros que de bonhommes, c'est énorme. Ligue 1, PSG. Ouais. PSG qui a été... qui est Fanoche 63. Le PSG qui a perdu ce week-end à domicile. 3-1 face à Lorient. Mm. Qu'avez-vous pensé de ce match, Quentin, par exemple, ou Benja, l'un des deux, qui veut commencer? Moi, je suis heureux de voir Benja heureux. C'est tout ce qui me. Allez, commence, Quentin. Tout est OK, son et image. Alors, écoute, moi, j'avais pas prévu de parler de ce match, mais plutôt de Paris dans sa globalité. C'est un retour rapide. Et ben, c'est des pompes. C'est des énormes pompes. Et je pense que c'est globalement c'est tout ce qu'il y a à dire. J'ai pas regardé le match dans son intégralité, mais des retours que j'ai pu voir en termes d'implication, d'intensité, il n'y avait a priori rien. Ça commence à être dramatique pour certains joueurs qui prétendent avoir très très haut, des Donnarumma, des Verratti, des Hakimi, voire même des Mbappé. Parce que Mbappé, bon, c'est ça qui va sauver la fin de saison de Paris avec le titre de buteur. Mais en dehors de ça, j'ai bien l'impression qu'on est sur, tout du moins, l'équipe qui déçoit le plus en Europe par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Voilà. Sinon, sur le match, j'ai rien de plus à dire. Bravo à Lorient. Alors, j'ai pas regardé leur,
leur prestation en détail. Bravo à eux d'aller gagner au Parc, ça reste un exploit malgré tout. Et Paris, encore une fois, des énormes pompes, surtout quand on voit que le seul but qu'ils mettent, c'est sur cette cagade du gardien. Ouais. Voilà pour moi. C'est vrai que là-dessus, Paris a pas montré grand-chose. Castelin. C'est pas... Castelin. Paris, ouais, qu'est-ce que j'ai dit, moi, il y a deux semaines, pire champion de l'histoire de la Ligue 1, en tout cas, ouais. Depuis les années 2000. Et moi, je le répète, bien sûr, on avait essayé de trouver, il y en avait peut-être un qui était pire. J'ai jamais vu un champion de Ligue 1 qui, 5 journées avant la fin, avait si peu d'intensité, dans, même en termes juste individuels. Hein. On a souvent dit que Paris était une somme d'individualité, sauf que les mecs, même au niveau individuel, ils sont complètement éclatés, physiquement, tactiquement, il n'y a rien. Et ce qui est le plus intéressant, finalement, c'est l'analyse de Le Bris, en conférence de presse d'après-match. Le mec t'explique qu'il a joué contre un 5-3. Donc en gros, déjà, il y a deux mecs qui l'oublient complètement, Mbappé, Messi, ils font même plus partie de l'équipe. Tu vois. Volontairement, ah, il dans a cette dit ça. Il a clairement dit ça. Il dit qu'en gros, c'est très facile d'analyser et de préparer un match contre Paris. Et ce qui est dommage, ben forcément, ça ouvre un peu sur la saison de Marseille où tu te dis encore une fois. Avec quelques matchs supplémentaires et même un lance, pourrait se poser la question. Avec quelques résultats mieux négociés, les deux matchs à Strasbourg, de Marseille par exemple, resteront en travers de la gorge. Parce que si tu avais 4 points de plus, là aujourd'hui, tu serais à un seul point du PSG. Et là, on se poserait vraiment des questions. Alors que là, entre leur calendrier et les 5 points d'avance, malgré tout, on va pas. Voilà, il va rien se passer. Mais je répète, le PSG est le pire champion. La Ligue 1, ça c'est une certitude. Et ce que je peux rajouter aussi, Mbappé, combien de temps il va rester le mec ? Est-ce qu'il doit rester sur... Mais il doit pas rester, il doit partir. Il doit se barrer tous les jours, je sais pas ce qu'il y a dans son contrat, mais s'il en a la possibilité, il faut absolument qu'il parte. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent changer d'assez impactant tout. Sur un mercato ? Tout ? Oui, mais même s'il change tout, t'es sûr qu'en un an tu peux réussir à faire une équipe qui gagne avec des champions ? Tout, c'est des joueurs. À l'entraîneur, bien sûr. À l'encadrement, à tout ça. Mais le problème, c'est que tu es rentré un joueur, dans ça. Un truc. C'est tellement rentré. Quand tu vois Marquinhos, l'intervention qu'il a après le match, où il dit. Enfin, c'est dramatique, quoi. Le mec est fataliste à mort. C'est-à-dire pour eux, on est nul. On sait qu'on a des points faibles. Et puis voilà. Galtier ne change rien. Il continue à faire de la merde. Et il n'y a rien qui change. Donc après. Benja, je sais que toi, tu as envie qu'il se passe quelque chose. Tu n'étais pas aussi catégorique que Clément là-dessus. Mais est-ce qu'il pourrait pas se passer quelque chose? Ce serait incroyable. Et Paris... Alors moi non plus, j'y crois pas. Mais on n'y a jamais cru. On n'y a jamais cru. Et à chaque fois, il s'est passé des choses. C'est pas faux. Et c'est pareil, moi, la conf de presse de Galtier avant le match. Ouais, mais mettre les jeunes, ça coûte des points. Mais quand tu prends zéro... Comment ça peut te coûter des points? Ça fait, sans déconner, tu gagnes 2-1 contre Angers qui a 12 points ou 13 points. C'est pas possible, tu vois. Il faut qu'il change quelque chose, même dans ses compos. Les compos, c'est toujours les mêmes. Les mecs sont toujours décevants. Enfin, je sais pas. Moi, mais quand tu regardes. Même... Force aux supporters parisiens. Quel enfer! Il y en a plus beaucoup des vrais supporters parisiens. Enfin, les vrais supporters parisiens sont partis. Campos réclame l'unité dans cette situation. Mais en fait, moi, je pense que c'est le PSG qui a créé. Toutes ces différences, puisqu'ils ont fait pour moi le PSG d'Mbappé, et c'est là où ils se sont trompés. Les mecs, ils ont plus envie, ils s'en branlent. Ils prennent 1 million par mois. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils sont premiers, ils jouent à 10%. Ben voilà. Là, ok, ils ont que 5 points d'avance, c'est pas ce qui devrait se passer. Mais demain, s'il n'y a plus Mbappé, et qu'on ouvre la voie à plusieurs joueurs, qu'on donne les clés du camion à plusieurs joueurs, j'ose espérer que ça soit différent. Là, aujourd'hui, c'est Mbappé, tout pour Mbappé. S'il court pas, on s'en fout. Messi, qui est ce mec? En vrai, c'est triste de dire ça, on parle quand même de Messi, mais qui est ce mec? Mais il y a zéro projet sportif, encore une fois, on en revient à la même chose. Que ce soit d'un point de vue des dirigeants, pour eux, c'est un projet marketing, c'est un projet soft power par rapport à la politique, etc. Et si tu prends les joueurs, c'est pas un projet sport, c'est un projet de vie. Projet, je vais vivre à Paris, je vais pouvoir sortir, etc. Gagner très faire bien ce que ma je vie, veux, gagner bien ma vie, et voilà, et je serai heureux. Et puis derrière, je vais retomber à Wolverhampton, je vais retomber à Séville, un petit club, je serai peinard, j'aurai fait ma carrière, j'aurai gagné mes sous, et puis terminé quoi. Clairement, c'est en sachant que là, ils ont quand même aussi, c'est pas Chelsea bien sûr, mais le PSG va avoir au 10 juin, 10 ou 13 juin, un bon nombre de retours de prêts. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les vend? Qui va les acheter ces joueurs?
Parce que à part, en vrai, à part Mbappé qui a une valeur marchande et qui peut susciter un intérêt chez les autres clubs, tu vas avoir peut-être des jeunes, mais sur où tu feras pas de pognon, tu vois, du Zaïre Emery, des choses comme ça, où tu vas pouvoir peut-être récupérer un billet, mais rien du tout. Mais les autres, qui pourront les acheter? Navas, il va revenir. Qui va vouloir l'acheter et payer son salaire? Alors Navas, justement, moi, c'est le seul sur lequel je me dis, parce qu'il a quand même fait des gros matchs, visiblement, il y a des bons retours sur ses performances, à voir, tu vois. Et puis les gardiens, c'est un poste particulier. Par exemple, la question se pose plutôt sur un Ekitike. Le mec, il touche plus combien, 600 000 ou 300 000 par mois. Il touche un salaire astronomique. Le mec a été nul toute la saison. Ils l'ont payé 40 millions. Explique-moi comment ce mec-là, qui a déjà du coup coûté à peu près, je pense, environ 50 millions, 55 millions en un an. Tu peux pas. Comment tu peux être rentable? C'est impossible qu'il soit rentable. Mais même. Et si tu le vends, tu vas complètement le bazarder, peut-être à 10 millions. Même, lui, alors que peut-être qu'il vaut un petit peu plus quand même, tu vois, j'en sais rien. Avec ce qu'il nous a montré cette année, il vaut pas un clou. Oui, mais quel club va pouvoir mettre 600 000 euros? Est-ce que lui, il est prêt à faire un effort? Zéro. Il a un contrat, il a un zéro. Pont. Il a un pont pendant des années, il va toucher 600 000 euros. À part la première ligue. Et franchement, même la première ligue. Là, faut vraiment qu'il soit faut être pigeon. Il faut partir pour 300 000 euros, je te dis une connerie, tu vois. Le projet pour lui, ce serait de le prêter. Et puis, sauf que le problème, c'est un investissement à perdre. Parce que pendant 2-3 ans, le temps qu'il se refasse une santé, bah, tu payes le salaire pour rien. Tu payes le salaire. Ouais. T'as ça, mais tu vois, les retours de prêt, t'as Icardi qui tourne bien en club, à Galatasaray. À Galatasaray, on parle de Icardi. Ouais. Donc ton plus grand espoir, c'est Mauro Icardi. Non, mais sur du transfert. Sur de la vente. T'as Icardi qui a fait des choses. Draxler. Que dalle. Il jouait même plus avec qui c'est que t'as d'autres? T'as Paredes. Paredes, ça se passe terriblement mal apparemment à la Juve. Qui c'est que t'as d'autres qui va revenir? Kurzawa. Kurzawa, il revient? Oui, bien sûr. Ah, ouais, Kurzawa, t'as Dina Ebimbe, t'as Michou. Pas le youtubeur. Et puis tu vas voir qu'ils vont réussir à aller rechercher Xavi Simons, je sais même pas si c'est pour le revendre direct. Lui, je crois justement, le seul mec Ils l'ont vendu, mais paraît-il qu'ils avaient une clause à 12 millions pour pouvoir le racheter. Alors qu'il vaut déjà plus. Ils vont le racheter et il va devenir nul au PSG. Voilà. Ouais, ça va être ça. C'est ça, Samy. C'est possible. Donc voilà, le PSG aujourd'hui, l'année prochaine déjà, je pense qu'on est tous d'accord, il y aura un nouveau coach. Bon, je pense pas qu'il garde Galtier. Si, il garde Galtier, c'est dramatique. Déjà que l'on est. Moi, franchement, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'être sur la fin d'un projet, quoi. C'est-à-dire que comment tu peux réussir à relever ce projet? Si dans 2 ans, c'est pas relevé et qu'il n'y a pas quelque chose qui se crée, je pense que les Qataris disent merci, bonne soirée. Bah, on n'achète pas le Stade de France ni le Parc des Princes, on n'achète rien. Et voilà. Non, je suis pas sûr, parce qu'après, ça reste Paris. Paris, c'est une des plus belles villes du monde. Pour eux, dans leur projet, encore une fois, on n'est pas sur un projet sportif. Donc ça fera toujours vendre, ça permet de parler d'eux. Sauf après, t'as United avec le Qatar, etc. Et voilà. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Benja? United. J'attendais de pouvoir au moins donner mon argument sur le match, moi. Depuis tout à l'heure, on avait quand même dit ensemble, on se coupe pas la parole. C'est bien, t'es assidu. Tu respectes les règles. Mais oui, moi je vous rejoins surtout. Moi je pense que surtout le Paris Saint-Germain, ils sont déconnectés en interne, les joueurs, la direction, tout de ce qui se passe vraiment dans ce club. Parce qu'encore Donnarumma, il dit qu'en gros, comme tu disais avec Campos, il faut faire le front commun dans cette débâcle. Alors que les mecs, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont nuls et qu'en gros, c'est un peu le monde qui est contre eux. Et que du coup, ils ont une excuse d'être nuls. Ils se trouvent ils trouvent normal de se battre. Ils se battent pour le titre en mode c'est un championnat où on se bat armes égales. Non, ils sont à des années-lumière de ça avec des joueurs qui sont, mais à un niveau de jeu. Je parle même pas de Messi, hein, ni de Mbappé parce que les mecs ils font ce qu'ils veulent. Verratti, Marquinhos, ils sont, mais à la ramasse totale. Le coach, bon, je pense que c'est voilà, effectivement un club qui est beaucoup trop gros et on le savait déjà. Hein, que Galtier, le nom Galtier ne va pas avec Paris Saint-Germain, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière et tout, le mec, il met Carlos Soler titulaire à droite. Hein. Titulaire, il est droit. Alors, ça, Carlos, c'est chaud. Alors, Carlos Soler, moi, j'ai lu qu'il le mettait titulaire sur cette fin de saison parce qu'il comptait sur lui pour avoir justement une valeur marchande et pour le montrer pour des équipes. Justement, il faut arrêter de le montrer alors si tu veux qu'il garde une valeur. Clairement, à chaque fois il perd des millions, à chaque fois qu'il joue. Et là ça va très vite. J'ai vu dans le chat par rapport à Verratti, le mec n'a pas fait de Coupe du Monde, il est dans un état physique et apparemment, d'après ce qu'on entend, il est en boîte de nuit, il s'endort en boîte de nuit. C'est dramatique. Verratti, s'endormir en boîte de nuit, on en connaît d'autres. Oui, mais bon, moi, 300 cas par mois, je m'endors en boîte de nuit si tu veux. Je ne vais pas sur le terrain. Enfin, si tu veux, je peux y aller.
je disais à la Varenne en descendant que Verratti fumait certainement autant de clopes que Fournet. Ah bon? Oh, le salaud! C'est sûr. Peut-être moins. À peine. Et ouais, non, ah oui, non, c'est dramatique. Cigarette, c'est pas bon. Je pense que le tournant du projet, malheureusement, ça va être ce rachat ou pas United qui, pour moi, est loin d'être fait. Je pense que ce fera très, très durement et certainement pas tout de suite. Parce que ouais, l'achat de Manchester United, c'est un bourbier monstre et qu'il faut quand même de base lâcher 5 milliards d'euros pour pouvoir prétendre être écouté par l'équipe Glazer, par la team Glazer. Et à partir de 5 milliards, on commencera à se parler entre nous. Oui. Voilà. Bon, ça va. J'ose espérer que si tu mets 5 milliards, t'as le droit de parler quand même. Et ben, pas sûr. Pour avoir vraiment lu le truc, à 5 milliards, ils écoutent les offres, c'est pour te dire. Oui, et qu'ils sont loin de vouloir le vendre comme ça parce qu'ils se rendent compte aussi que le club prend de la valeur. Et que derrière, peut-être ils ont plus de ronds à se faire, donc c'est absolument même pas fait qu'ils le vendent, le club. Ouais. Parce que eux se disent, bah tiens, vu qu'on est en train de revenir bien, eh ben on va peut-être attendre et on va peut-être le garder parce qu'on va encore se faire plus de ronds. Bah, c'est comme dans les investissements, tant que t'as pas vendu, t'as rien perdu. Mais voilà, non, mais je pense que Paris, là, effectivement, comme l'a dit Quentin, le tournant, c'est que c'est dramatique et qu'il n'y a plus rien à tirer de ce projet. Et comme l'a dit le Brice, maintenant, la moindre équipe de foot, moindre équipe qui joue au foot en phase 2, pour ça, peuvent les taper et, je le dis, le redis, Quentin Castelin l'a dit il y a 2-3 semaines, c'est pas possible vu les matchs qui arrivent. Lorient, c'est fait. Malheureusement, comme l'a dit Dimeco aussi, ça dépend aussi de Paris. Tant qu'ils perdront pas, ça va le faire. Mais derrière, il faut aussi que ça suive. Si derrière, ça gagne pas, donc si Marseille... Maintenant, c'est Marseille. Marseille ou Lens, il faut qu'il y en ait un qui arrive à tourner à mort et que Paris fasse la gigite. Et je pense que... On peut vivre quelque chose. L'impossible n'est pas parisien. Ils n'ont jamais fait plus grand. On pensait avoir tout vu. Je pense que là, on peut être à un summum de climax dans cette saison qui peut être fou. Très bien, messieurs. On va passer au prochain sujet. En attendant, on a quand même un combat de coq entre deux demoiselles dans le chat. Entre Fanoche 63, c'est beau, mon Quentin, et Queen Bix, oui, de ouf, il est trop beau. Il y a une usurpation d'identité qui a été décelée par Patsouflix. Ah. Patsouflix. Et on a Juju Berzé aussi qui nous demande pour 5 milliards on a combien de binous. Pas assez pour Soussou. Donc voilà sur le PSG, de toute façon ça va être un sujet jusqu'à la fin de la saison. On va suivre avec attention leur fin de saison en espérant que Benja, tu te trompes pas, parce que ça nous fera du grain à moudre. Et on pourra vivre des émotions. Ils nous en ont fait vivre des émotions pas trop positives pour les supporters parisiens, encore une fois. Eux, les pauvres. Je pense aussi que tu peux aussi soulever le fait que les mecs, en étant archi nuls, ont 3 jours, 4 jours de vacances en semaine. On prépare un match. Ils s'entraînent comme nous. De ce mardi, entraînement par semaine. Mardi, jeudi. Stabile, vulcanien. Rendez-vous samedi. Ça, c'est fou. Donc, terrible. L'OM qui vient juste derrière le PSG. L'OM qui a été solide et allé chercher la victoire à domicile face à Auxerre. 2-1 après avoir été mené 1-0 sur un but de Birama Touré, superbe but, on en parlera, Castelin. Mmh. Castelin d'ailleurs, en tant que fada marseillais. On va parler de la SSG tout à l'heure, le scénario est à mettre en parallèle, mais alors le contenu du match, certainement pas. L'introduction. Le sarceau, le contenu de l'Olympique de Marseille a quand même été très bon dans l'ensemble, au niveau du jeu, du pressing. Globalement, l'OM a clairement surdominé ce match-là. Auxerre a marqué sur sa première frappe cadrée. Par contre, il y a quand même, bien sûr, des éléments négatifs dans ce match à mettre en perspective. Et c'est surtout la finition. Et encore une fois, ces 30 derniers mètres dont je parlais déjà la semaine passée. Tout simplement, Vitinha, il fait un match globalement très intéressant. Mais dans la finition, il y a quand même 25 tirs de Marseille. 25 tirs, il y en a 4 cadrés. C'est quand même très compliqué. Les entrées de Payet, de Guendouzi sont vraiment à souligner parce qu'ils ont apporté justement dans les 30 derniers mètres une verticalité vraiment intéressante qu'on n'a pas assez quand il y a simplement le duo Rongier-Verretout qui permet de dominer le match mais pas de tuer le match. Ouais, c'est ça leur petit défaut. Mais malgré tout, voilà, bon, Marseille a fait le boulot, c'est le principal. Ils font quand même une saison qui est très très intéressante sur beaucoup de points, et maintenant il va falloir aller rêver. Moi je commence aussi déjà, bon, bien sûr il y a la finale de la deuxième place, ce week-end contre Lens, et puis après il faudra penser au mercato, il faudra penser à l'année d'après, il faudra penser au nombre de mecs qu'on a en prêt, des mecs qui vont
On n'a pas grand monde qui revient, à part Luis Enrique et des mecs vraiment des pipes aussi. Hein. Il y a bien sûr aussi des... Suarez, il est toujours au club. Non. Il est prêté, Suarez, vendu. Vendu. Où ? On s'en fout. à Grenade. Ouais, mais on s'en fout, oui, clairement. Donc voilà. Mais grosse finale à jouer, là, à gagner contre Serre, c'est le minimum. À domicile, moi j'ai bien cru, parce qu'il faut les buts à la 74-78, je crois. Même pas à 76, je crois. C'est 2 minutes. Bref, assez tard dans le match, alors que tu domines tout le match. À un moment donné, je me suis dit, en fait, on va jouer 3 jours et puis on ne marquera jamais. Finalement, bon, situation débloquée, 3 points mérités. Et rendez-vous contre Lens, à Bollard. C'est l'une des premières fois où vous profitez d'un faux pas de Paris. Je pense que c'est une des premières fois. Ça doit pas être faux. Après, j'ai pas tous les matchs en tête, mais je crois vraiment que c'est une des premières fois. Un réel faux pas comme ouais, ça. Ouais. Parce que même les faux pas, par exemple, de Lens, on n'en a jamais profité. Une fois, ils avaient fait match nul, on avait fait match nul aussi. Parce qu'après, t'as profité de faux pas pour être à 5 points, mais je veux dire, là, t'avais le résultat du PSG avant de jouer. Ouais, clairement. Ouais. Donc. Mais bon, après, enfin, je pense sincèrement, je pense même côté marseillais, pour le moment, on regarde pas encore. On regarde pas le titre, on regarde déjà la seconde place. Ça se joue le prochain match contre. Si déjà t'as gagné contre Lens, après on pourra peut-être parler d'eux si Paris fait encore un faux pas. Je sais même pas contre qui joue Paris ce week-end, tu vois, par exemple. Donc bon, moi je regarde pas trop, mais je sais qu'ils ont un calendrier ultra favorable et c'est dans ce sens-là que je dis. Alors est-ce qu'on regarde pas la montée, mais est-ce que du coup. Le titre à 3 Le titre. Pardon, le titre. Ah, j'ai vu la montée en R2, pardon, excusez-moi, ça me. Ils vont à 3 ce week-end. Il y avait un débat aujourd'hui sur est-ce que l'OM doit y croire ou pas. Effectivement, apparemment, dans toutes les déclats qu'il y a eu, effectivement, c'était non, oui, non, moyen. Il y avait qu'un joueur qui y croyait, c'était Sanchez. Bah, bien sûr que j'y crois. Le mec Sanchez, il a ça dans le sang, quoi, tu vois. Et est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que. Bah, typiquement, tu vois, Rongier, à Téléfoot, il fait une interview, il dit pas on a envie d'aller chercher le titre, etc. Il dit on mérite la deuxième place. C'est-à-dire qu'il se justifie. De dire on est à notre place, on mérite d'avoir cette deuxième place, etc. Et dit, enfin, mais d'un côté, il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai et il y a du vrai parce qu'en fait, tu dépends de Paris. Dans tous les cas, toute saison, tu dépends de Paris. Mais je trouve que c'est aussi, tu le fais pas cette année, tu te déclares pas cette année. Parce que malheureusement, ils sont tellement nuls que tu as le droit de te dire, on sait jamais. Mais effectivement, tu pars tellement loin dès le départ et qu'au final, c'est improbable de se retrouver là, mais bon. Que c'est pas justement le moment. Aveu de faiblesse, ouais, aveu de faiblesse. Mais malgré tout, c'est la vérité aussi. C'est ce que tu dis. Ça dépend de Paris. Et encore une fois, je pense aussi qu'il faut savoir être lucide. Ça dépend de Paris aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut savoir être lucide. Ça dépend aussi de Paris. Mais justement, tu vois, si tu as une équipe qui n'avait pas raté lorsque Paris faisait des faux pas, elle n'avait pas raté leur match et elle est poussée au cul justement ce Paris Saint-Germain, c'est à ce moment-là aussi que tu mets en danger l'équipe qui est première. Tu leur mets plus la pression, peut-être qu'ils auraient fait encore plus de faux pas, etc. Donc si toi t'y crois pas en deuxième, jamais, c'est à toi aussi d'écrire ton destin. C'est sûr que s'il y a aucune équipe qui va gagner le championnat quand il y aura le Paris Saint-Germain, s'ils n'écrivent pas eux-mêmes leur destin, Paris, ils vont jamais faire une saison à 65 points, à 70, quelque chose comme ça. Donc faut aller le chercher à un moment donné. Mais n'oublie pas aussi qu'ils t'ont éteint à domicile, j'étais dans le stade, j'ai encore froid. Donc je pense qu'aussi mentalement les mecs le savent, puisque sur ce match-là, pour rappel, c'est même dans le jeu, c'est le meilleur match de Paris de l'année, et c'était contre Marseille au Vélodrome. C'était aussi un moment où tu pouvais faire un gros coup au classement, si jamais tu faisais un résultat positif, et tu t'es fait ouvrir en deux, éteindre individuellement, collectivement, sur tous les plans. Donc, c'est pour ça que... Ça, je pense que ça joue aussi dans l'analyse des mecs sur la saison. Mais c'est aussi pour ça que... Malheureusement, bien sûr. Tu vois, pour moi, quand on dit que Paris, certes, n'est un des pires, enfin, le pire champion, etc. Mais sur certains matchs, ils ont ces grands joueurs, ont cette capacité à se mettre au niveau, etc. Bah regarde, tu vois, à Marseille... Non, mais au niveau... Au niveau France... Ils arrivent à se dire, ok, ce match-là, on le cible, etc. Et tu vois, c'est dramatique, mais ça veut dire aussi qu'ils arrivent pas, enfin, ils le font pas contre des équipes type Lyon. Bon, après Lyon, c'est peut-être le mauvais exemple cette année. Mais tu vois, ils le font que sur certains matchs ciblés. Et ça suffit pour gagner le championnat. Comme tu dis, ils vont éteindre au Vélodrome. Après, tu vois, enfin, je me contredis en disant ça, mais quand ils vont à Bollard, tac, ils prennent leur fessée et ils repartent. Et moi, je pense que c'est surtout révélateur du niveau terrible de notre Ligue 1, en fait. Hein. Oui. Ce qui justifie aussi, du coup, ce qui se passe en Europe et tout. Exactement. Donc je suis d'accord avec toi qu'effectivement, et c'est tellement suffisant qu'il y a des mecs partent en vacances.
Ils s'entraînent comme des mecs qui jouent en R3. Mais clairement, ils s'en foutent, ils ont tellement de points d'avance. Ils reprennent mercredi, je crois. Deux jours de repos. À quelle heure t'as deux jours de repos quand tu fais un match indigent à ce point? Alors que tu joues un titre quand même. Il chie sur toute la Ligue 1, sur tous les clubs de Ligue 1, tous les adversaires, sur tous les supporters, sur tous les footballeurs. C'est dramatique. Qui montre une image, mais ce que tu dois. Et moi, bien sûr, que je rêve qu'il se fasse punir. Exactement. Toutes les équipes de Ligue 1 devraient mettre une intensité dingue et taper. Bien sûr. Ce serait génial. Dans le football. Vous ne respectez pas le football. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour toi, Clément, pour que tu puisses vivre des émotions avec l'OM. Tout le monde en vivrait. Tu réagis pas au chat? Non, mais non. Pose une question. Non, les gens qui se cachent derrière des pseudos, je ne réagis pas, je ne rentre pas dans les débats. J'ai mal au genou, d'abord, on a Fanoche qui te demande d'éteindre la machine pendant les heures creuses. J'ai mal au genou. Il dit que le mec en blanc est plus investi qu'avec l'équipe 2. Ça doit pas être un mec du club, je pense. Ça me fait rire, Kiron, en tout cas. Ça fait rire. Quelle bande de chiens, faut le dire, le PSG. Daniel Riolet. Pour parler de nous. Non. Je pense que Daniel Riolet, un des plus fervents followers, ne serait pas permis, Quentin. C'est toujours pas qui c'est d'ailleurs. Non, il reste mystère et c'est très bien comme ça. Troisième club. Passons à la seule équipe, le seul Olympique de France, l'Olympique Lyonnais. Qui te dit ça quand même, hein? L'Olympique Lyonnais en reconstruction, Clément, l'Olympique Lyonnais en reconstruction, qui allait s'imposer 2-1 sur le terrain de Strasbourg ce week-end, vendredi soir, qui est donc 7e du classement, à 3 points de la 6e place, qui, je le rappelle, et ce n'est pas encore officiel, mais potentiellement pourrait être qualificative pour la Conference League, puisque la victoire de Toulouse décalerait les places. La 5e place du championnat serait qualificative pour l'Europa League. Par rapport à la Coupe de France ? Ouais, par rapport à la Coupe de France. Ils ont déclaré justement. C'est pas officiel encore. Comoli a dit que dans tous les cas, il va jouer. Donc pour lui. Oui, alors en fait, le problème s'est déjà posé en 2017 avec Salzbourg et Leipzig. Ils s'étaient rencontrés, même, je crois. Oui, ils s'étaient rencontrés. Pas en 2017. Pas cette année-là. C'est l'année d'après. Et en fait, la problématique, c'est qu'il y a un article. Je peux vous le lire rapidement, mais il y a un article dans le règlement qui dit qu'il ne peut pas y avoir une personne morale ou physique qui soit au comité de direction de deux clubs qui jouent une compétition européenne. Okay. Pas la même compétition. Donc là, dans ce cas-là, tu vois, t'as le Qatar aussi avec United et Paris, t'as Red Bull derrière Leipzig Salzbourg. À un moment donné, voilà, messieurs, alignez les ronds. Et puis ça joue pas. C'est ça. Donc pour l'instant, ce qu'avait fait Salzbourg et Leipzig, c'est que Red Bull s'est retiré s'est officiellement retiré de l'Assemblée Générale et du comité d'administration de Salzbourg pour que les deux clubs puissent bénéficier chacun de leur qualification. Et ils ont mis en place une convention de prêt qui reliait les deux clubs comme au préalable. Donc à voir si Toulouse fait la même chose. En tout cas... Pour l'instant, il n'y a pas eu d'enquête, entre guillemets, là-dessus. L'UEFA met son droit de veto, pour l'instant, sur cette qualification. On le saura dans les semaines à venir. Mais il y a une possible chance que Toulouse y aille. Et puis Toulouse l'a mérité par sa victoire écrasante en finale de Coupe de France. Clairement. Là n'est pas la question. Mais donc l'Olympique Lyonnais, 7e, victoire 2-1, Castelin, tu viens de commencer. Benja, à ton tour. Alors, match, en tout cas... Plutôt face à un adversaire qui a bien bousculé les Lyonnais, même si les Lyonnais, dans la globalité du match, ont fait un match plutôt... Enfin, ils ne sont pas tombés dans le piège d'aller jouer une équipe qui joue le maintien, alors que pourtant, eux, sont dans une phase plutôt positive, mais ça restera quand même moyennasse dans la globalité de la saison. Et non, ils ont fait un match correct, même si ça reste quand même pas fou, avec une défense quand même... Qui tire la langue, oui et non, mais c'est moyen. Et offensivement, non, il y a eu un Barcola qui a fait un bon match, avec notamment un but refusé, pleine louf, d'ailleurs. Pour le centre, magnifique. Centre tir. Je pense que c'était un tir. C'est volontaire. La Cazette qui a tenu la baraque offensivement dans la globalité de son match, il a été très bon en attaque. Après, ils ont su réagir vite, suite au but de Thomasson, de l'enfer.
Encore un but où ça passe un peu n'importe comment. Quand... Morgan Sanson. Sanson, j'ai dit quoi? Thomasson. Thomasson, Morgan Sanson, oui. Voilà, et non, victoire 2-1 avec un premier but de Cacré depuis combien de temps, je ne sais plus. Et, surprendre à Mambo. Mais non, globalement, bon match de Lyon, même si on pourra toujours critiquer la manière, mais non, dans la globalité, aller faire ce résultat, non, c'est bien. C'est un bon résultat pour Lyon qui court encore après des espoirs d'Europe. On verra jusqu'où ça va aller, mais ça dépendra avant tout des autres. Donc pas un calendrier facile pour aller chercher, quoi qu'il en soit, l'Europe. Les prochains matchs, réception de Montpellier, déplacement chez l'Ogre Clermontois, réception de Monaco, réception de Reims, et dernier match, déplacement à Nice. Donc c'est pas le calendrier du PSG. De toute façon, c'est pas sur ces derniers matchs que Lyon, je pense, doit aller chercher l'Europe. S'il n'y arrive pas, ils doivent se poser des questions sur l'intégralité de la saison. Puisqu'il se réveille en 2023, mais c'est peut-être un petit peu tard quand même. Après, c'est vrai que défensivement, il y a un gros sujet sur la défense centrale. On en parlait tout à l'heure avec Castelin. Les buts qu'ils prennent. Clairement, mais moi, parce que tout à l'heure, tu as parlé de Conference League. Lyon, Conference League, pourquoi faire? Pour la gagner. Non, mais qu'est-ce que tu irais foutre même en Conference League? Avec la saison de la de Ligue 1 que tu es en train de montrer. Tu mérites pas. Moi, je suis désolé. Je trouve pas cette équipe assez impactante. Bien sûr qu'il y a des très très bons joueurs. Ce que fait Lacazette dans cette équipe-là. Très très bon. Avec, ouais. Mettre 20 buts. Je crois que. Lacazette. Très bon. Lacazette tout seul dans une équipe pareille. Ouais. Réussir à faire ce qu'il fait, jeu plus finition. Ouais. C'est franchement du très très haut niveau. Vraiment. Il fait une très très bonne saison. Pour un retour, tu regardes par exemple un Tolisso. Un Tolisso qui vient aussi d'arriver. Il revient un peu mieux là. La saison par rapport à l'attente que t'en as, elle est décevante. Bien sûr. Pour Tolisso individuellement. Lacazette, c'est même presque au-delà de tes espérances. Dans une saison éclatée, franchement. Et encore une fois, pour moi, le gros problème chez vous, c'est défensif. Ok, Loukeba, c'est peut-être un bon joueur, j'ai rien contre lui. Enfin, globalement, chaque fois que tu prends un but, et là encore, apparemment, au niveau des statistiques aussi, tu t'en sors clairement bien, et même au niveau des actions que Strasbourg peut avoir. On parle de Strasbourg quand même. Oui, c'est ça. Donc bon, c'est pas le Lyon qu'on a connu, ça c'est clair. Conference League. Moi, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de questions sur le club. Textor, qu'est-ce qu'il veut faire du club? Ola, c'est ce qui va rester? Le mercato, Amin Sarr, vous avez mis combien sur lui aussi? Parce que c'est bien beau de parler de Luis Enrique à l'OM. Et il joue quoi à part un quart d'heure? Régional 3, normalement, c'est son niveau. Mais je crois, ouais. Parce qu'à la limite, Jeffinho, je veux bien. Moi, j'avais des doutes. Bon, visiblement, il est pas si mauvais. Il apporte un petit peu. Quelque chose de différent. Il est quand même assez rapide, assez vivace. Amin Sarr, bon. Alors, pareil, première saison, il faut laisser du temps, tu vois. Nous, on a bien mis 32 millions sur Vitinha, bon, il en est à 2 buts, c'est pas non plus une grande réussite, il faut voir. Mais bon, sur l'ensemble d'une saison, tu te poses quand même des questions, quoi. Et encore une fois, Textor, Olas, le club, Conference League, pourquoi faire? Bref, saison très décevante de Lyon, et voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, à part qu'ils sont le seul Olympique de France, ça se voit pas trop, quand même. Moi, je vous trouve dur. Hein. Je trouve que Lyon fait une super saison. Pour une équipe qui a le niveau pour jouer le maintien, ils font quand même une super saison. Non, mais sans déconner, parce que là, en fait, tu gagnes à Strasbourg, c'est ton niveau. C'est une super victoire pour eux. Ils sont nuls. Tu te fais peur chez le 15e. Donc, à un moment donné, t'as ce que tu mérites. Aller jouer l'Europe, mais c'est ridicule de rentrer dans ce débat par rapport à ce que Lyon propose. Et ils sont nuls. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas partir... Alors, c'est sûr que ça peut être intéressant pour Lyon. Moi, je suis supporter lyonnais, j'ai envie d'aller les voir. C'est là où tu as vécu le plus d'émotions avec Lyon, surtout sur ces dernières années. Tu sais qu'ils vont aller en Conference League. Tu as une chance sur deux. C'est soit ils vont être éclatés et perdre contre des clubs roumains, avec tout le respect que j'ai pour les Roumains, ou autre, et on va se faire sortir en poule. Soit ils peuvent faire une épopée. Mais à un moment donné, tu ne mérites pas d'aller en Europe. Donc, point barre, il faut que ça dégage. Lille mérite mille fois plus d'y aller, par exemple. Ça se jouera entre Lyon et Rennes s'il y a sixième place qualificative. Voilà. Est-ce que Rennes mérite plus que Lyon? En termes de projet club, oui. Ouais. En termes de après sur la saison, je sais pas. Ils font un petit tyrambique sur le projet club quand même. Ils font une super première partie. C'est ça. Ils font une super très nulle depuis janvier. Hein. Oui, voilà, c'est ce que je te dis, c'est au niveau de l'équipe. C'est l'inverse. Deuxième partie de saison qui est très bonne depuis 2023. Mais elle est très bonne au niveau des résultats. Alors que Rennes, elle était très bonne à un moment donné. Le foot, c'est pas binaire quoi.
il y a de la nuance et il y a le contenu des matchs, il n'y a pas que le résultat à la fin. Ils ont pris beaucoup de points, Lyon, et bravo à eux pour les résultats. Dans le contenu du jeu de la deuxième partie de saison, c'est ok, ils ont des résultats, mais c'est pas bon. Rennes, première partie de saison, franchement, on se régalait tous. Ouais. Et ils ont mis des volées. Quand ils gagnaient un match, ils mettaient des volées, des trempes. Des 4-0, ils en ont mis des 3-0. Et ils bousculaient beaucoup de grosses équipes aussi, tu vois. Donc, alors bon, après, Terrier, machin. Bon. Ok, on verra, mais c'est sûr que Rennes, non. Rennes mérite plus. Rien qu'en me rappelant de match de première partie de saison, ils méritent plus tous les jours. Même si maintenant, c'est clairement dramatique. Parce que là, c'est contre qui leur match où ils font... Angers. J'ai pas vu le match. C'est contre Angers, là, qu'ils font. Avec un magnifique but de l'ancien Clermontois contre son camp. Je vous invite tous à voir. J'ai juste vu ça. Oh, le cochon. Plat du pied, sécurité. En même temps, Bernardoni, il pousse pas. Encore un ancien Clermontois. Qu'est-ce qu'il fout? Non, mais après, c'est par rapport à Lyon. Enfin, sur le projet, c'est sûr que ça fait chier. Enfin, pour l'Europe, pour construire encore les jeunes. Mais encore une fois, c'est dramatique. Le but que tu prends, t'es trop naïf sur le but. Et les erreurs se répètent. Donc après, qu'est-ce que tu vas faire? Encore une fois, comme tu dis, il faut voir l'interview de Textor avant le match contre Marseille. Tu sens vraiment que le mec veut changer quelque chose dans le club. Donc encore une fois, on n'en est pas au même niveau de décadence que le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Mais... on est à un niveau où là, ça y est, là c'est la première grosse pente que tu prends. C'est au moment où il faut relever un peu le guidon. Donc à voir si dès ce premier mercato, on va voir des choses qui se mettent en place. Bon, là, je pense que ça va même pas être le mercato, je pense que ça va être la direction, voir si voilà, s'il est gardé dans les. Mais ça peut faire partie un petit peu. Parce que là, je crois que là, ça tire la langue, et Textor, on va voir, vu qu'il est quand même décisionnaire plus aujourd'hui. Pas sûr qu'il veuille garder Olas, ou en tout cas le foutre qu'avec les féminines. Et donc, ils ont pris quelqu'un. C'est pas encore fait. Mais en tout cas, ils ont effectivement engagé les. Après, les projets dont il a parlé, recruter une vraie structure de recrutement, etc. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais combien de temps ça va mettre? Combien de temps ça va mettre pour voir ça dans l'équipe en Ligue 1? Et l'équipe en Ligue 1, à l'heure actuelle, je suis désolé, mais quand t'es porté, bon, Lacazette, voilà, très bien. Mais après, t'as Lovren qui tient la baraque derrière et Loukeba. Mais Loukeba, comme tu dis, moi, je l'adore, Loukeba. Lovren, hein, ça tire la langue un peu. Lovren, ça tire la langue, mais Lovren, il est nul. Justement, c'est ça qui est dramatique. Ouais. C'est qu'il est nul et qu'il a 35 ans. Enfin, il est nul, non. Voilà. Mais et Loukeba, bah, il est trop jeune encore pour assumer ça. Demain, la saison prochaine, on va pas parler du joueur de NBA qui part en Angleterre, mais Koumbédi qui va reprendre le flambeau à droite. Le mec, il a 20 ans, il est très bon, mais à un moment donné, quand t'es l'Olympique Lyonnais et que t'as envie de jouer des trucs en Europe, etc., faut avoir des mecs, genre, tu vois, Nuno Tavares qu'on dénigre. Certes, il est jeune, mais il a joué à Arsenal, etc. Enfin, c'est quand même autre chose, quoi. 18 ans, Koumbédi. 18 ans, tu vois. Ah gauche, non, mais ça, je suis d'accord. Même le penant, jamais il va rester. Ouais, bah, enfin, bref. Après, quand t'as le deuxième budget de France, normalement, tu vois, d'ores et déjà, normalement, pour le prendre. C'est beau d'avoir les moyens, mais si t'es pas attractif. Non, c'est ça, mais tu l'es plus, mais même quand t'as été attractif par rapport à un Romain Fèvre, qui était un joueur français, bon joueur de Ligue 1, etc., il vient. Il est nul. Il fait rien. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à chaque fois que tu recrutes un mec, le mec ne fait rien. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a un environnement qui fait que t'es pas bon, il n'y a rien qui se passe. Les seuls joueurs qui arrivent à être forts encore, c'est Anto Lopez, Lacazette, Tolisso en parcimonie, Barcola. Encore une fois, je veux pas mettre le projet Academy mais c'est des mecs qui ont ça, tu vois, dans le cœur et qui font leur match pour leur club et aussi pour, bon, forcément pour leur performance. Mais à un moment donné, il faut que tu arrives à créer quelque chose de plus grand et à intégrer ces recrues. Parce que si tu te bases que sur 3-4 joueurs qui sortent comme ça de temps en temps, l'Europe, bon, tu la vois une fois tous les 5 ans. Quoi. Tu la regardes à la télé. Tu la regardes à la télé. Tu la joues pas sur la PlayStation. Mais bon. Putain, c'est bon. Bon, bon, très bien sur l'Olympique Lyonnais. On suivra pareil cette fin de saison. On verra. Peut-être qu'ils vont faire un exploit. S'ils gagnent tout, ils sont pas champions. Non? Moi, je sais pas ce que je peux parier, mais je crois pas une seconde. Non, il y a 6 points de retard sur Lille, de toute façon. 8 sur Monaco, je remonte pas plus haut. Après, Monaco, attention, hein, on n'a pas prévu d'en parler, juste un petit aparté, mais c'est chaud. Monaco, 3-0 Lens, 4-0 Montpellier. Ah, Monaco, je pense que c'est même plus attention, c'est ça y est. Hein. C'est un retour, on verra jusqu'où on sera fin juin. Quoi. Ouais, mais dans 2 matchs, ils jouent Lyon, ils peuvent se relancer dans 2 ou 3 matchs. La saison des beaux jours, je pense qu'ils passent plus de temps à la piscine qu'à l'entraînement. Ils ont pris 2 fois 3-0, plus 4-0. Là, ils ont mis 0 buts en 3 matchs. 5-0, je crois qu'on en peut. Non, 4-0 là. 4-0, plus 3-0 avant. Non.
Ils ont gagné avant. Ils ont pas un 3, pas pris un 3-0. Ils ont gagné 3-1 contre Lorient avant. Et juste avant, ils ont fait un. Match nul, 2-2 contre Monaco, contre Nantes. Grosse défaite. Non, c'était encore plutôt. Ils ont fait. Non, mais c'est quand tu prends les grosses défaites dans leur saison, ils se sont fait démonter genre 3-4 fois. Voilà, en tout cas, c'est un bof. Hein. Bref. Passons au club auvergnat, puisqu'on a une plainte de Daniel Riolet. On parle de tous les clubs d'énormes pipes de cette Ligue 1, mais on ne parle pas du seul club du Puy-de-Dôme qui joue l'Europe. Je vois qu'on dérange. Fano, je te laisse aussi, la vanne. Ah non, laisse parler Benja, pardon. Ouais. J'ai une idée de qui c'est. Genepix qui nous dit jolie plante avec la petite lumière. Fanoche, ça y est, je suis couché. Attends, mais Genepix, c'est. Non, c'est pas Pix. Mais non, Genepix. Non, Genepix. Mais moi, je pense que Pix, c'est Fanoche 63. Ouais, j'avais une théorie là-dessus où c'est Benjus qui a créé un compte, mais bon. Il est tout timide, c'est bien une petite phrase de Benjus. Ouais. Non, de Benjus. Donc parlons du Clermont Foot. C'est en direct ce que tu viens de me montrer ? Oui. On fait une bise à Bobillet, puisque le FC Sochaux-Montbéliard, on sait que tu suis plus les matchs, Bobby. Ils sont en train de ramasser 2-0 à la maison contre Dijon. On t'embrasse. Road to League 2. Tu seras bien allé au chaudron l'année prochaine. On revient donc sur le Clermont Foot. Messieurs, victoire du Clermont Foot. 5e victoire d'affilée. J'ai regardé, faudrait que je creuse un peu mieux, mais il me semble, sans trop m'avancer, qu'il n'y a que 3 clubs cette saison qui ont réalisé cette performance en Ligue 1, le PSG, Lens et Marseille. Le PSG a fait 6, je crois. Voilà. 5 victoires d'affilée, victoire 2-1 face à. J'ai un trou de mémoire. Reims. 2-1. Non, 1-0. Ah oui, 1-0. J'étais pas au match. Victoire 1-0 sur un but de Greg John Kay, 8e but de la saison pour l'attaquant clermontois qui n'avait pas marqué l'année dernière. Tu veux une info ? C'est grâce à nous qu'ils ont marqué. C'est grâce à vous. J'attends l'anecdote. Quand on rentre dans la tribune, à ce moment-là, action, but. Ouais. Le Lisa football. Appelle le football. Le exactement. Match du Clermont Foot, Laval ? Match du Clermont Foot, globalement, on s'est fait chier. Il y a eu un but au bout de 5 ou 8 minutes, je crois. Je sais plus. Enfin, bref, peu importe. 5. Mais non, franchement, bon, après ils ont fait un match solide, clairement ils ont laissé le ballon à Reims, qui a pas su l'exploiter, parce que bon, franchement, il n'y a pas eu de grosses occasions sur le but clermontois. Donc match maîtrisé, 5e victoire, ça commence à devenir très très costaud. Donc voilà, mais bon, on sent clairement que le Clermont Foot est beaucoup plus dominateur et dans la maîtrise plutôt qu'une équipe qui, là, l'année dernière, on se c'est serait fait jeu. Égaliser, on aurait essayé de produire du jeu, etc. Donc bon, c'est moins attrayant pour les spectateurs. Par contre, écoute, ça gagne, donc tant mieux. À voir jusqu'où ça va aller. Dans les prochaines rencontres, on va encore jouer Lyon, qui sont juste au-dessus de Clermont. Donc bon, c'est beau de rêver à l'Europe, encore une fois j'y crois pas, mais bon, aller chercher, tu vois, si tu vas chercher d'ailleurs, ça fait le lien avec le débat juste avant, mais tu repasses devant Lyon, t'imagines, pour Lyon, c'est dramatique. Mais, si tu les bats, tu passes pas devant. Tu passes pas devant. On est à 49 et Lyon à 53. Oui, non mais ça peut arriver, parce que t'as encore un match la semaine avant qu'on les affronte. Oui, là tu vas à Auxerre. Ok, mais non, enfin voilà, franchement, cinquième victoire de suite, bravo encore une fois à cette équipe. On a passé un step, mais c'est moins attrayant. Faut confirmer. Ouais. Faudra confirmer sur la prochaine saison. C'est ça. Mais effectivement, qui l'aurait prédit Clermont, huitième. Même nous. Même nous, Chauvin, à mort. Parce que tu peux, quand tu regardes le mercato, tu perds Nsimba, tu perds Zedatka, tu perds Bayo, ou Tonji, tu perds quand même pas mal de bons joueurs. Tu perds aussi l'ailier de Nice, là. Dacunha, qui était un souci. Mais ouais, tu tous les jours pour une 10e place en début de saison. C'est même pas tous les jours. Parce qu'il y avait 4 descentes, je me souviens, on en parlait déjà, il y a 4 descentes l'année prochaine. Ça va être chaud. Au final, non. Après, par contre, points d'avance sur Brest. Il y a quand même quelque chose à dire. Encore une fois, c'est que le contenu des matchs par rapport à l'année dernière, c'est pas du tout le même. Je vais faire un peu le pisse-roi. Il y a beaucoup de très bons résultats en termes de. C'est même exceptionnel. D'ailleurs, c'est historique pour le Clermont Foot. C'est complètement historique par rapport au budget qu'ils ont. C'est exceptionnel. En revanche, le contenu des matchs, et je pense que même Gastien, quand tu regardes ses conférences, il le sait.
C'est un peu moins bon, oui, mais c'est un petit peu plus dans l'expérience. C'est pour ça aussi qu'ils sont allés chercher des Gonalons, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher des Zéphane, des Coffriers, des mecs comme ça, pour voilà, apporter un petit peu de constance et de régularité aussi dans les performances. C'est ce qu'on a, un petit peu moins de jeu offensif, on a souvent moins la possession du ballon, mais de toute façon, même l'année dernière aussi, sur certains matchs, même en cherchant à jouer, on n'y arrivait pas parce que l'adversaire était bien plus fort que nous techniquement, donc il faut pouvoir s'adapter. C'est pas forcément une mauvaise chose. En revanche, quand j'entends des mecs sur Twitter ou à droite à gauche dire on parle pas de Clermont alors qu'ils sont devant Lorient et Reims, et ces deux équipes, les médias ne font qu'en parler, à un moment donné, il faut aussi regarder les matchs, les gars. Si t'as regardé Lorient jouer cette année, si t'as regardé Reims jouer depuis que Will Steele a repris l'équipe, on n'est pas sur le même type de performance et de contenu de match. À un moment donné, quand t'aimes le foot, t'as pas non plus me dire que Clermont a été assorti des meilleures performances dans le jeu. C'est les deux équipes-là. Moi, je te rejoins sur l'aspect jeu, tout ça. Mais moi, justement, j'avais interpellé Lavan et notre ami Pendu, qui doit être toujours banni d'ailleurs. Premier banni. Sur le fait que voilà, le Clermont, maintenant, ils ne sont pas juste axés sur une compo. On arrive quand même à déployer des compos plus ou moins offensifs, soit à 4, soit à 5 derrière, soit en cours de match. Beaucoup plus en cours de match, avec des latéraux qui peuvent se transformer en ailiers plus offensifs. Tu t'adaptes plus facilement. On s'adapte beaucoup plus facilement, même en début de match, c'est-à-dire qu'on n'entame pas le match de la façon à, on va attaquer et tiens, on s'adapte après. On a déjà un plan de jeu, ça se sent, et qu'effectivement, on jouera moins, mais notre jeu, il a évolué énormément par rapport à l'année dernière, où je trouvais que le jeu était beaucoup plus horizontal, dans de la conserve, dans ce qu'on avait travaillé en Ligue 2. Et cette année, même en début d'année, on était quand même axé plus offensif avec ce qu'on voit énormément au Clermont Foot, du jeu vertical, de la contre-attaque immédiate. Et que ça soit de façon offensive ou défensive quand on entame le match, là, tu vois, tu as des joueurs comme Cham et Kawi qui sont essentiels, même si des fois on peut les critiquer. Sur la conservation. C'est ça, dès qu'on les touche, bam, on arrive déjà à amener cette contre-attaque et direct trouver ses ailiers, etc. Ce qui est aussi le point fort quand on défend, puisque nos contre-attaques sont beaucoup plus rapides. On a des joueurs comme Elevina qui se retrouvent latéral gauche à 5, mais parce qu'on n'a pas assez de joueurs pour proposer remplacer un Borges, Elevina va s'y filer, qui a fait un très bon match. On a un Kay qui apporte énormément dans sa conserve de balles, qui a fait un gros match contre Reims, même si Reims c'est clair, dans le jeu, ils nous ont ultra dominés. Ils ont des joueurs au milieu qui nous ont fait tourner. Je pense qu'il a mis Gonalon pour mettre des brins. Et je trouve que Clermont, même si c'est frustrant et on peut dire que le jeu n'est pas là, je trouve que c'est louable du côté de Gatien de mettre de côté peut-être tout ce qu'il aime dans le foot. Mais je trouve ça beau aussi de proposer ce qu'on fait, s'adapter. Et arriver à aller faire des résultats vraiment cohérents. Parce que pour moi, c'est cohérent cette victoire. Cette victoire, elle est certes frustrante pour les mecs d'en face. Mais même Will Steele, comme l'a dit Quentin, l'a avoué. Ils ont dit ils ont marqué très tôt. Et après, ils ont joué le jeu comme toutes les autres équipes. Ils se sont mis très bas. Et je pense que tu vois aussi des profils comme Gonalon qui commencent enfin à être intégré dans ce groupe. Au début de saison, c'était compliqué. Les blessures, il est intégré. Tu vois, pareil qu'un Tolisso, il est arrivé blessé, ouais, c'est sûr. Tu vois. Ouais, et tu vois, après, Coffrier, c'est indispensable. On a une charnière qui, cette année, tient vraiment la baraque. Quoi. Vitesse qu'à Coffrier, c'est solide. Même Ogier, là, sur les deux derniers matchs. Globalement, ouais, pour résumer, non, voilà ce que j'ai envie de dire. Certes, on peut en être frustré, mais je trouve que c'est même un travail remarquable de Clermont d'être à cette place-là. Et dans une Ligue 1 qui est très faible. Là, n'empêche pas l'autre. Rappelons-le aussi que la Ligue 1 est très faible. Néanmoins, en fait, c'est par rapport à ça, tu vois, pour moi, que le rapport résultat vs budget vs tout ce que tu veux, vois, par rapport à la structure du club, est incroyable. Donc encore une fois, comme on l'a dit, Gatien, je pense qu'il a été beaucoup plus pragmatique dans l'approche cette saison, parce que justement tu avais encore plus de chances de passer à la trappe. Donc il s'est dit, allez, expérience solide, et puis on va passer comme ça. Le résultat, ça paye, et ça va même plus loin que ses espérances, parce que tu joues la première partie de tableau. D'accord. Donc Paris réussit. Et là, chaque place gagnée rajoute 1 million d'euros, je crois. Ouais, c'est vrai. Dans le budget Clermont, c'est juste incroyable. C'est un vrai projet, en tout cas, d'y être dans cette liste. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur Reims, en disant, si on compare à Reims ou quoi, mais non, on peut pas se comparer à Reims. Les mecs qui recrutent un Ito à combien de millions, et ils ont Balogun, t'as pas tort. Tu vois, ils ont des joueurs, ils sont meilleurs passeurs. Si tu veux. Non, mais je veux dire, voilà. Oui, mais après, je dis pas qu'il faut pas comparer à Reims, mais c'est que si les médias parlent de Lorient et de Reims, c'est pour certaines raisons qui sont précises. Exactement. Pas forcément leur classement. Donc c'est juste ce que je voulais dire. Si tu dois pas parler. Et puis regarde la première phrase de la Varenne, on s'est fait chier. Ah, on s'est fait chier. Voilà, donc à un moment donné, on s'est fait chier contre Nantes. On a vu un match sans frappe cadrée des deux côtés. Là, c'était football moins par moins. Mais par contre, il y a aussi d'autres matchs.
Clermont qui se déplace à Toulouse, une équipe qui joue au foot. Là, tu avais deux oppositions et ça jouait vraiment au foot. Et c'était intéressant. But de Kawi, on gagne 1-0 là-bas. Mmh. Néanmoins, après, je comprends quand tu dis, Clément, toi, qu'il ne faut pas comparer Clermont avec Lorient ou Reims par rapport au jeu. Mmh. Je pense que là où les médias devraient un peu plus parler, c'est effectivement ce que vous venez de dire sur l'approche de Gatien. Le rapport budget. Le rapport budget-résultat. Ouais, sur des choses comme ça, plus que le fond de jeu. Même si le fond de jeu, il a pas mal changé, mais ils ont quand même gardé deux trois choses. Hein. Essayé au maximum de relancer court. Que ce soit. Je me souviens le premier match de la saison contre le PSG. Ça prend 5-0 à 3-4-0. Ça relance encore court. Quoi. Mm. Ça dégage pas le ballon n'importe comment. Tu mets pas le bus. Enfin voilà. Effectivement, quand tu obtiens le résultat, que tu marques le premier but ou des choses comme ça, ça va être un peu plus défensif qu'avant, mais c'est ce qui permet aussi d'être moins beau, mais d'avoir ces points-là. Mais j'en suis conscient. Mais je pense que là où les gens parlent sur Twitter et disent « on parle pas du Clermont Foot », ils attendent peut-être aussi qu'on parle un peu plus de Gatien, qui... Ouais. Fait un travail exceptionnel. C'est un formateur, en fait. C'est pas un entraîneur, ce mec, c'est un formateur. L'expérience des centres de formation, les projets clubs... C'est des projets clubs qui met sur toutes les équipes jeunes. C'est un directeur sportif. C'est un manager général. Ce qu'il met en place, c'est incroyable. On se faisait la réflexion hier avec Lavan. On se faisait la réflexion hier avec Lavan. Ils gagnent 5 matchs là. Ça fait 5 matchs qu'ils font comme Paris. Hein. Ils doivent s'entraîner 2 fois par semaine. Ils rattaquent le mercredi. Enfin non, mais tu vois, c'est... Ouais. Et pour autant, derrière, ça gagne. Ça gagne 5 matchs d'affilée et pas contre que des pipes. Mm. Donc, non, le Clermont Foot, je pense qu'ils vont aller continuer la saison. L'objectif est de finir dans la première partie de tableau. Et la saison est déjà réussie Depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, mais il faut le répéter quand même, ça, là-dessus. Ouais. Complètement réussi, on est bien d'accord. Si le championnat, c'était les 5 derniers matchs, on serait en Ligue des Champions. Voilà, j'ai que ça à te dire. On serait champion. Et on serait champion. Donc voilà, sur le Clermont Foot, messieurs, on ferme la parenthèse Ligue 1. On passe rapidement au tour européen, où l'on commence, Benjamin, je crois, avec le Barça. Alors, en Espagne, si. Elles sont incroyables, les photos. Ouais. Avec le stade derrière. Putain, c'est quand même... Celle de Sanchez. N'oubliez pas, sur le chat, ça fait vraiment... N'oubliez pas, sur le chat, de follow la chaîne, de nous suivre sur Twitter. C'est tout. Pas Instagram, non, je cherchais. J'étais en train de chercher, justement. Sur Twitter, d'en parler à vos amis, à votre famille, de partager cette chaîne et de nous donner un petit peu de force. C'est très gentil, ça serait très sympa. La Liga, Barça, premier, 79 points. Victoire ce week-end 4-0 face au Betis Séville de Jean-Pierre Fekir, roi du Rhône. Je sais même pas s'il a joué. Ah non, il est blessé. Ouais, c'est blessé. Croisé. Un croisé, ouais. Bah le Barça, ça y est, hein, je pense que bon, on va conclure la saison de la Liga. C'est pas les croisés de Pongzik, par exemple. Un Barça, ok. On sait même juste. On a bien préparé l'Espagne. Je sais pas trop quoi dire. Sur ce... Ça fait déjà deux mois qu'ils sont pratiquement champions. Le Real sait qu'ils peuvent pas revenir. Il y a 11 points d'écart. Les deux équipes ont fait le week-end dernier deux contre-performances avec des matchs horribles, dégueulasses à vomir. Ce week-end, les deux équipes se rattrapent parce que le Real aussi a mis une trempe, si je dis pas de bêtises. 4-2. Karim. Bon, ben voilà, le championnat d'Espagne, ça fait un petit moment qu'il est réglé. Le Barça et le Real, là, aujourd'hui, ça va se jouer sur la Ligue des Champions. Et le Barça, aujourd'hui, ce qui va leur importer, c'est surtout la suite au niveau de leur club, au niveau de leurs finances, au niveau du mercato, ce qu'ils vont pouvoir faire, pas faire. Est-ce qu'ils vont révolutionner, Messi va revenir, pas. Non, on a une annonce aujourd'hui qu'apparemment, il ne reviendrait pas. Hein. De toute façon, c'est exactement, on a un conseiller du Barça. C'était déjà dans les clous. Il y a peu de chances qu'ils reviennent. Maintenant, ils sont en train aussi de lui faire un musée, quand même. Oui. Ouais, bah normal. Ils sont en train de vendre. C'est quand même mérité. Ils sont en train de vendre le Barça TD. Ils ont gagné genre 100 employés. 120 employés. 120 employés virés. Donc, ça, c'est quand même aussi, malgré tout, des économies pour ça. Ils cherchent à faire des économies. Alors, est-ce que parce que toujours les clubs, les finances du club sont vraiment dans le rouge ou est-ce que parce qu'ils préparent des investissements importants?
Pour rappel, même si Messi aura fait 2 ans au PSG complètement indigent avec des performances globalement très moyennes par rapport à ce qu'on peut attendre d'un mec pareil, apparemment c'est un investissement totalement réussi pour le PSG. Malgré le salaire, le mec rapporte de l'argent, le mec est un produit marketing. Alors, tu vois, et d'ailleurs je pense que tout le monde les a vus, il y a des pubs avec la gueule de Messi et Louis Vuitton dans la France entière. Ce mec-là, c'est, aujourd'hui c'est une vitrine. Donc est-ce que le Barça, justement, pourrait pas trouver un accord et un contrat qui pourrait être juteux pour Messi, mais aussi intéressant pour eux. Voilà, le plus intéressant pour le Barça, clairement, c'est le hors sportif sur cette fin de saison. Ils vont être champions, bravo à eux pour ça, mais que ce soit au niveau européen et sur certains grands matchs, ils ont clairement pas été vraiment au niveau. Et tu vois, même apparemment, typiquement, je vois Rafinha, t'as une belle offre, il part, t'as beaucoup de joueurs, c'est un petit peu cette situation-là. La situation du club est très spéciale, donc c'est à suivre de près. On a Daniel Riolet qui nous dit: au Barça, on a le droit de faire rentrer des enfants de 15 ans dans un match de Liga aussi. Ouais, moi ça, je pense que c'est surtout encore ça, une stratégie de marketing, de montrer son joueur, de le faire monter le plus rapidement possible et faire péter. Une valeur marchande. Et ça entretient le fait que tu formes des joueurs, donc, etc. Donc, en fait, c'est un truc tout bête, mais t'en fais parler. Le prochain joueur qui va popper, eh ben, au lieu de le vendre 10 millions, tu le vendras 12 millions, tu vas le vendre 20% plus cher, et petit à petit, ça va faire ça. Oui, donc c'est très intelligent. Marketing. Mais ouais, en termes de... Il suffit que le gamin ait un peu de ballon, qu'il réussisse 4 passes. C'est ça. Fait. Bien encadré, t'inquiète pas, tu vas chercher tes passes. Après, t'as un vrai débat aussi. Est-ce que tu dois... légiférer le fait que les mecs ont le droit de jouer même à 15 ans dans des championnats comme ça. Genre, est-ce que tu... Physiquement, t'es pas prêt. D'âge, ouais. Il n'y a pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Pour moi, je vois pas pourquoi c'est à partir du moment où le gamin est d'accord qu'il y a des tests physiques qu'on a réalisés. Ouais, mais à 15 ans, t'as encore des choses à apprendre. Ouais, mais même physiquement, Bien sûr, mais quel est le danger? Le club prend le danger, toi tu prends le danger si t'as envie de le prendre. Ouais, mais il y a un vrai problème sur les physiques. Sur la formation. Sur la physique, sur le physique d'un enfant en fait. À 15 ans, quand. La croissance. La croissance. Tu peux, si le gamin se fait découper ou physiquement il se. Tu vois, tu peux lui briser beaucoup de choses, quoi. Il y a des risques partout, quoi. On traverse la route. C'est un vrai sujet. Il le fait rentrer, il faudrait regarder quand est-ce qu'il le fait rentrer. Il doit faire rentrer 10 minutes, il y a déjà 4-0. Ouais, mais quel est le risque, quoi. 10 minutes, tu te fais tourner 4-0, t'as un gamin de 15 ans qui arrive, le mec, Ligue, le premier ballon, tu le découpes. Wow. Il est rentré à la 83e. Ouais, voilà. Très bien, le Barça, du coup, champion, on l'a dit, pour vous. Non, oui, voilà, on n'en parle plus. On n'en parle plus ? Le Real Madrid n'en parle même plus, ils sont juste sur la Ligue des Champions. 11 points, et il reste 4 matchs. Dans 6 matchs. Ils sont déjà champions depuis que le Real a perdu. C'était où ? C'était au Camp Nou ? Ouais. Le championnat ? C'est ça. Depuis ce match-là, c'est fini. Passons à l'Italie. L'Italie avec le Napoli. Et un par Boulaïdia. Ouais, Boulaïdia. Mais quel joueur, Boulaïdia ? C'est une belle saison, hein, je crois. Salernitana. Il doit être une dizaine de buts, je crois. Ouais. Ah ouais. Boulaïdia, je vais vous le dire tout de suite. Il vient d'Villarreal en plus. Ouais. Il avait déjà fait une bonne saison à Villarreal. Mais c'est à se demander pourquoi il avait signé là-bas. Il n'était pas passé par la Chine entre. Non, Reims, Villarreal, Salernitana. Direct. Oui. Mais pourquoi il va là-bas? Parce qu'il rêvait de jouer avec Ribéry. Ribéry. Castanos, la numéro 1. Boulaïdia, 12 buts, 6 passes d'ess. Ah, regarde. Ouais, c'est putain, vrai, c'est ils sont combien là, c'est la 15ème, je crois. On a classement, mais j'ai pas les. Ils sont 14ème. Ils ont 7 points d'avance sur le maintien. Le Napoli premier, 18 points d'avance, aurait pu être effectivement champion dès ce week-end au stade Diego Armando Maradona s'ils avaient battu Salernitana. Suite à la contre-performance de la Lazio. Exactement, qui est sur 2 défaites la Lazio face à l'Inter. 6 victoires au match nul ce week-end, Napoli champion. Je pense que là c'est pareil, hein, y a pas de débat, encore moins que pour le Barça. Bon non, c'est même en fait c'est juste dommage qu'il n'ait pas réussi à gagner. Alors j'ai pas regardé le match, pareil, et j'ai pas vu si c'est parce qu'ils ont eu la gigite ou quoi que ce soit, mais c'est dommage qu'ils arrivent pas à être champions dans leur stade, sachant qu'ils ont fait exprès, c'est-à-dire que le match était programmé le samedi, ils ont fait des dérogations avec la mairie de Naples pour organiser la fête du titre et tout, parce que non mais pour le caler après le match de Inter Lazio et tout. Ils ont décalé, ils ont perdu les ronds en plus du diffuseur, du coup ils ne payent pas le match, et donc ils l'ont mis après le match de Lazio pour connaître le match de Lazio.
Et pour préparer les festivités, il se trouve que la Lazio a pris 3-1 contre l'Inter. Et il gagnait 1-0. Alors on a regardé le match et l'Inter les surdomine. Enfin voilà. Ouais. Donc tu vois en plus le scénario, les mecs arrivent pas à gagner, ils arrivent, et parfait. Il y a tout. Et sauf qu'il y a Boulaïdia. À la 84e, je crois, ou 83e. Il a éteint Naples pratiquement. Bon, après, c'est. De toute façon, c'est pareil, Naples est champion. Naples a fait une saison magnifique. Bon, ils ont raté un petit peu la fin. Sur la fin de saison, c'est quand même dommage, tu vois, parce que regarde en Ligue des Champions, quand ils passent à côté du sujet. T'as 20 points d'avance en début avril, gros. Ouais, je veux bien, les mecs, ils ont fait une super saison. En plus, tu vois, ils avaient aussi fondé des espoirs sur la Coupe d'Europe. Il se trouve qu'ils se font malmenés. Par le Milan avec une tactique du Milan moi que j'avais trouvé pas bon mais bon. Bref Napoli ils font quand même une saison exceptionnelle avec des joueurs qu'on a découvert à Kvara Osimhen qui a confirmé l'objectif a pas grandement changé par rapport sur 2 ans hein, quand même Kvara récupéré... oui Kvara avec Osimhen qui a confirmé aussi Osimhen ouais qui confirme tu vois mais je veux dire effectivement le travail fait par Spalletti est fou. Ouais, Spalletti, jamais je pensais qu'il proposerait du jeu comme ça. Bah si, il propose du bon jeu, mais c'est vrai que là, avec Naples, c'est le sommet de sa carrière. Il a toujours proposé du jeu. Mais quand il était à la Roma, qu'il avait encore Totti, il cherchait des équipes. Mais c'était pas, ça n'avait jamais été comme ça, forcément. Mais là, de toute façon, c'est presque du jamais vu, je pense, autant de points d'avance en Serie A. Ouais, c'est possible. À si peu de journées de la fin. Après, ta saison repose sur ces deux joueurs, quoi. Non. Bah, dans les stats, en tout cas, dans les buts. Ah bah bien sûr. Oui. Mais Zielinski, Lobotka, c'est tous ces deux milieux de terrain. Encore une fois, tous les jours ils jouent à Paris, par exemple. Tu vois, tous les jours ils jouent à Paris. Bah Ruiz. Mais bon, après ils arriveraient à Paris, ils seraient nuls. Tout de suite, et tous les jours ils jouent à Paris. Ils sont vraiment très très forts. Par contre, il y a une vraie course pour la Ligue des Chelins. Entre l'Inter, AC Milan et Rome qui sont à égalité de points, c'est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de clim, la clim que prend justement l'AS Roma à domicile par Milan, le scénario est incroyable du match. Ouais, clairement. Ouais. Voilà. 97e, c'est le Makers. Mais 94e, le 0. Mais là, ouais, ça va donner une vraie course, ça va être intéressant. Et ben, on suivra la course à la Ligue des Champions, du coup, plus aux champions en Italie. On regardera si vos pronostics, d'ailleurs, qui finira en Ligue des Champions dans ces 5 équipes qui se tiennent en 4 points. Attends, déjà, donc là, il y a 5 équipes qui peuvent aller en Europe. Tu peux rajouter l'Atalanta aussi. T'as que les deux premières, après, ils en ont une. Ils en ont pas une. T'as les 4 premières qui vont en phase de groupe. Mais non. Ah bon oui, les 4 Les 4 premières vont en phase de groupe de Ligue des Champions. La 5e place, c'est phase de groupe d'Europa League. La 6e place, c'est phase de groupe de Conference League. Là, je crois que c'était 2 plus 1 ou 3 et plus 1. Et là, eux, ils ont 4. Ils n'ont pas notre indice. Et si Milan AC gagne la Ligue d'Esch, il faut aussi qu'ils se qualifient. Non, c'est toujours d'actu. Non, si Milan AC gagne la Ligue d'Esch, tu auras 5 équipes. Ouais. Je pense que ça ne changera pas. Moi, je pense que ça sera ça. Naples, Lazio, Juve, Inter. Le Milan qui va rester là et va potentiellement se retrouver en finale. Alors, les blackouts des pronos, parce que... à chaque fois qu'on a dit un truc qui s'est passé l'inverse. Non mais moi je vois moi je vois l'AC Milan se qualifier face à l'Inter et je pense que du coup ils perdront des plumes pour le championnat. Donc je vois bien, par contre l'AS Rome ça me ferait chier quand même qu'ils repassent devant les deux Milan. Parce que malgré tout, malgré le fait de Mourinho etc, c'est quand même pas une équipe qui a l'air de proposer énormément de jeux. Ça joue zéro. Donc pour le cœur je mettrai l'AC Milan en 4. Moi, je pense que ça va pas bouger. La seule chose qui pourrait bouger, ça reste la Juve et... Et la Lazio ? Non, les fameux 15 points, quand même. Hein. Et oui. Ça, c'est pas décidé. Ce sera décidé certainement. À mon avis, ils vont pas les avoir. C'est vrai, ça. Parce qu'il n'y a pas de raison. Mais l'UEFA peut aussi leur dire, OK, vous prenez pas 15 points, vous finissez deuxième même. Mais par contre, vous jouez pas de Coupe d'Europe. Ouais. Donc, pour moi, c'est à peu près la seule chose qui peut bouger. Parce que, en fait, l'Inter joue mieux que l'AC Milan et l'AC Milan joue mieux que l'AS Roma. Quoi. C'est-à-dire, quand tu regardes 3 matchs, c'est ce que globalement tu as vu. Même si l'Inter fait quand même une saison, une meilleure deuxième partie de saison. Ouais. Mais j'ai hâte de voir aussi cette confrontation, surtout en Ligue des Champions. Inter-Milan, là, ça va être du lourd. Ça va être sympa. Dans une dizaine de jours. Exactement. Passons à l'Allemagne. Nos amis allemands, avec le Bayern Munich, qui vient de passer premier ce week-end. Qui repasse encore devant Dortmund. Parce qu'au final, ils ont fait quoi ce week-end ? Ils ont fait un partout. Ouais. Ils perdaient 1-0. Ils ont
égalisé par Adeyemi. Ouais. Et ils ont fait un partout contre Bochum. Bochum qui est mal classé en plus. Bochum qui est premier barragiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc très mauvais résultat de Dortmund qui a eu la gigite. Bah, c'est-à-dire que là, eux, c'est, tu vois, on parlait de Marseille qui n'a pas saisi les occasions. Mmh. Là, Dortmund, c'est, on leur met sur un plateau d'argent. Pratiquement. Mais il y a le nombre d'occasions qu'ils ratent. Parce que là ce week-end, ils étaient premiers, c'était la première fois. Mais ils ont raté peut-être 3 occasions hein, de passer premier et d'avoir des points d'avance même après. Ah, ils font vraiment une saison très moyenne par rapport à ce que tu peux attendre d'eux. Alors le Bayern, j'en parle même pas, mais bon. D'ailleurs, Tuchel, qu'est-ce qu'il fait s'il est pas champion? Parce que c'est pas encore fait. Franchement, je crois qu'il a aucune. Enfin, il a peut-être pas aucune pression. Ah mais... bah, il y a une semaine, on disait Bayern, déjà qu'il voulait le TEJ avant la fin de saison. Il disait. Le Bayern, ça rigole pas du tout. Ils ont jamais eu un coach qui avait aussi autant de mauvais résultats en arrivant. En si peu de temps. Ouais. Bah, et les limites, je crois qu'il y avait des cannes qui lâchaient des. On a remplacé un mec qui avait pas de résultats par un mec qui en a encore moins. Ouais. Sachant que Cannes est déjà sur la sellette. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est le leader le d'Europe qui a le moins de points par. Bah, après, ils ont par match joué. Ouais. Ah, par match joué même, carrément. Et l'Union Berlin fait une saison de fou. Ouais, l'Union Berlin fait une belle saison. Mais ils sont pas montés cette année? Non, ils jouent en Europe là cette année. Ouais. Ouais, mais ça fait très peu de temps l'Union Berlin qui sont remontés, non? Le Bayern doit jouer d'ici la fin du championnat Leipzig, qui est quand même cinquième. C'est un des gros matchs qui reçoit Leipzig. Dortmund, leur gros match, c'est Wolfsburg, qui est septième. Sinon, après, ils jouent Mayence, Francfort et Gladbach. C'est dommage, Dortmund. C'est les petits frères. Mais bon, moi je suis sûr qu'il va y encore y avoir des faux pas de l'un ou de l'autre. C'est possible. Donc s'il y en a un qui fait une série jusqu'à la fin de l'année, ce sera lui le champion. Ça peut être Dortmund, ça peut être le Bayern, franchement. C'est l'un des deux, enfin c'est les deux derniers championnats où il reste un peu d'enjeu, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Il peut se passer quelque chose. T'as même une vraie bataille. Vraiment, tu sais pas aujourd'hui. Parce que le Bayern peut clairement rater son match. Suffit d'avoir un peu d'opposition en face et c'est fait, quoi. Donc bon, vraiment dommage en tout cas pour Dortmund de ne pas avoir saisi ces occasions-là, parce que c'est pareil, hein, si on regarde tous les je sais pas combien de championnats d'affilée ils ont le Bayern, il faudra regarder à la fin de saison en termes de points ce qu'ils ont par rapport à d'autres années. À mon avis, les autres années, ils sont champions autour des 4. Ils ont fait 8 nuls à mi-temps, alors que là, ils vont pas y être. Ils sont à 62, l'an dernier ils finissent à 77, l'année d'avant 78. Ouais, tu vois, autour des 82. Ans, ah, là, il flash. 78. Là, ça va être compliqué hein, d'y aller. Hein. 84. Parce que du coup, il leur reste quoi, 4 matchs? Ouais. Ouais. Il reste 12 points à prendre. Ils seront à 74. Ça sera le plus faible nombre de points pour le Bayern depuis. Et les 4 matchs ne sont pas gagnés. Les 4 matchs ne sont pas gagnés, je te le dis. Moi, ça, depuis 2014. Parce que le nombre de matchs où ils font des 1 partout, c'est contre Francfort, je crois qu'ils avaient fait 1 partout, j'ai regardé. Enfin bref. Ils font pas une bonne saison. Ah, mais l'Entracht, Randal Kolo Muani. Ah mais. Première ligue, messieurs, dernier championnat européen, avec la victoire de Manchester City 2-1 à Fulham. Qu'est-ce qu'on en pense de cette fin de championnat? On sait déjà que Arsenal et City sont qualifiés pour la Champions League. On ne sait pas encore dans quel ordre. City a un point d'avance avec un match en retard. Moi, je pense que c'est terminé. Moi, c'est déjà terminé depuis qu'ils l'ont mis. Et mentalement, ils sont trop forts. C'est une équipe de fous, faut le dire. On le sait depuis des siècles. Mm. Ils sont trop forts. Arriver à faire ce retour, ils rendent fous. Et voilà, ils sont... T'as regardé le match, Benjamin? J'ai regardé leur résumé. Je regarderai jamais un match de City s'il n'y a pas un gros match. Ces énormes chiens, mais bon, ouais, putain, trop fort quoi. Et Arsenal, malheureusement, c'est trop dur, je pense, mentalement, là, de se remettre de ça. Même si, attention, Chelsea, Chelsea qui va se faire un malin plaisir d'aller les taper, même s'ils sont nuls. Chelsea, hein, bien sûr. Mm. Arsenal, je pense qu'ils vont quand même se battre et peuvent aller gagner largement, mais tu sais, quand tu prends un grand coup sur la tête et que tu sais que les mecs en face, ils vont rien lâcher. Ah, et puis surtout que t'as enchaîné, trois matchs nuls. Ça fait plus le tas de plus, là, tu te fais éteindre. En un mois, ils étaient à 60. Combien? Il y avait 10 points d'écart en un mois. Les mecs, ils en ont gagné 2. 2 ou 3 Arsenal. Mais même en janvier, on se disait, si les mecs font pas d'erreur, ils pouvaient, à un moment donné, ils pouvaient se permettre de perdre les deux matchs contre City qu'ils n'avaient pas joué et être tranquilles. Et au final... Bah là, la forme des 5 derniers matchs est parlante. Hein. Arsenal, c'est 6 points. City, c'est 15 points. Ouais, voilà. Tout dit, quoi.
Donc, clairement, ils sont vraiment énormes. C'est la meilleure équipe d'Europe à avoir joué. Ceux qui ne regardent pas beaucoup de matchs, moi, je vous invite fortement à aller regarder un match de City si vous en avez l'occasion. Parce que. Ça joue trop. Si vous n'êtes pas supporter de Manchester United, ou comme Sochaux. Vous allez vous régaler, clairement. C'est une équipe exceptionnelle avec des joueurs incroyables. Tout est assez parfait en ce moment. On va voir ce qu'ils vont faire en Europe. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, presque, plutôt que la première Avec l'année dernière, déjà, voilà. Ils sont au-dessus du Real, et c'est juste en 5 minutes où il y a un changement, quoi. Il se passe la magie du Real en Coupe d'Europe. On va voir si ça va se reproduire cette année, parce que si ça se reproduit pas... Il n'y a que de la magie, là. Il n'y a que de la magie pour les battre, on est d'accord. Il n'y a que de la magie et du football, ça peut arriver. Que se suspendre. On est clairement sur une des meilleures équipes de la décennie. Oui. Depuis 2010. Après, il faut que ça se concrétise. Meilleure équipe de la décennie, il faut aussi que ça aille au bout en Ligue des Champions. Sans ça, ça peut pas. Il faut un sacre. Il y aura quand même un. Ça me fait mal de le dire. Okay. Je pense qu'ils sont même peut-être en train d'installer leur club de chien à l'échelle de Manchester United dans les années 2000. Et on nous parle du derby contre Dijon. Ouais. Il y a LBMRC qui nous dit bonjour. Est-ce qu'on peut bannir cet homme et libérer Fanzuc, s'il vous plaît? Il y a LBMRC qui nous dit bonjour, je sais que vous n'en avez rien à faire, mais j'aimerais parler du club de ma région, Sochaux. C'est une dinguerie comment ils abusent. Ouais. Il y a le derby contre Dijon en ce moment et ils perdent 2-0. Oui. On a dû. Ouais. Ils ont pris un rouge. Je pense que t'étais pané qu'on en parlait déjà, Bobby. Ouais. On en parlait. C'est pas Bobby, c'est une autre personne. On va pas commencer à dénigrer le premier follower qu'on connaît pas, quoi. Effectivement, je vous rappelle toujours, point en live, 2-0, carton rouge à la 13e pour Sochaux, pour violence. Sortie de notre ami le TGV béninois, Jodel Dossou. Tu fais les frais de ce carton rouge. Je vais quand même aller boire un peu d'eau parce que là, on vient de passer. Un mojito à la nuque. La meilleure équipe de la décennie à Sochaux, quoi. Non, mais perdre contre Dijon, ils jouent le maintien, je crois, en Ligue 2. Castelin, je vais vous donner l'info, mais à la 29e, Dijon a fait rentrer une arme fatale, un joueur que t'as adulé. Et il a marqué. À Dijon ? Oui. Un ancien joueur de l'OM. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. On a déjà parlé dans la buvette. Ouais, c'est le premier quiz là, ça vient de poser un petit truc comme ça là, hop. Alors, un joueur de l'OL. Je n'aurais pas. Espoir. Non, formé à l'OM. Ça, c'est une fausse info. Il a juste joué à l'OM, c'était un jeune. Il a fait quelques bouts de match. Non, il est à Niort. Autobin. Faut suivre. Donc, c'est pas vrai. Pas formé à l'OM. Si, j'ai dit formé à l'OM, t'as dit non, c'est pas vrai, il a fait quelques matchs. Non, parce qu'il a dit que j'ai adoré. Ça, c'est faux, tu l'as pas adoré. Bah, c'est un jeune qui est passé par l'OM, qui avait été formé à l'OM. Mmh. Ensuite, il est parti à l'étranger, si je dis pas de bêtises. Oui. Chez la vieille dame. Et là, il est revenu en France. Oh, comment ils ont Hacké? Hacké? Il joue à Dijon. D'ailleurs, ça, faut pas mettre le nez dans les comptes de l'OM. Non, on n'en parlera pas de ça. Oui, non, mais je crois que Riolo, il va en parler dans pas longtemps. Sochaux qui devait jouer, on termine là-dessus. Sochaux qui devait jouer la montée se retrouve 5e derrière Metz et Bastia, alors qu'on joue la 2e place contre Bordeaux. Une honte. Et ben, on va te donner LBMRC, le numéro de Bobby Howe. Vous allez monter un collectif. On vous soutiendra. Un collectif métissé. Les foufous de Sochaux. vous pouvez monter les foufous de Sochaux. Quel joueur, Mister. Donc voilà sur le point Ligue 2. Il y a peut-être une communauté à aller à taper là, Sochaux, là, ils existent quoi. Et bah si t'en as marre de Sochaux, tu peux devenir supporter du Clermont Foot. Ouais. C'est bien mieux, c'est en Ligue 1 déjà, c'est du foot et c'est 8ème. Pareil que Sochaux, mais en Ligue 1. Si t'as envie de rester en Ligue 2, tu peux supporter Saint-Etienne. Exactement. Donc City, je crois que voilà, City, on est tous d'accord, c'est fait. De Bruyne, Stratos, avant Stratos. City, Stratos. Benjamin, je veux pas te le faire dire, mais je sais que tu le penses. Et par contre, autre club en première ligue qui est très très bon là. Non. Classement, je crois que je les vois pas. C'est bon, je les vois pas. Non, je vais pas parler d'eux, mais on peut en parler si vous voulez. Non, Newcastle est vraiment fort sur cette fin de championnat. Ah, même depuis le début. Depuis la vraie saison, c'est fou. Ouais, il fait une vraie saison. Ouais. Bah, eux, c'est à se demander. On parlait tout à l'heure de plusieurs équipes, Paris, Lyon, qu'est-ce qui allait se passer au mercato. Eux.
C'est un visiblement, vrai projet. Ils vont jouer l'année prochaine la Ligue des Champions. Ouais. Ils sont arrivés achetés par des multi, par un pays également, donc multimilliardaires. Ouais. Et ils n'ont pas fait n'importe quoi du tout. Ils ont donné les clés à des mecs qui visiblement savent de quoi ils parlent. Hein, Isaac, paraît-il que c'était leur deuxième choix après Kitike. J'ai presque du mal à y croire quand tu vois la différence. Bah, c'est vrai ça. Hein, Isaac, surtout que Isaac, contrairement à Kitike, il fait une espèce de saison au Real Sociedad l'année d'avant. Exactement. Isaac, c'est ses 10 buts. Ouais, et il rate le début de saison. L'action, c'est. Et Isaac rate le début de saison, il est blessé. Bien sûr. Saint-Maximin est blessé. Isaac, il fait Saint-Maximin est blessé, parce que même des fois, après, il a à le faire rentrer. Enfin, ils après, Newcastle, dans leur projet. Pardon. Ça a l'air très intéressant, en tout cas. Dans leur projet, Newcastle, ils ont dit qu'en gros, eux, ils n'avaient pas pour projet d'être immédiatement CEO. Au départ, ils avaient pour but de construire avec toutes les recrues qu'ils ont fait, comme des Barjots l'année dernière, et de construire autour de ça. Et qu'au final, là, ils se retrouvent presque à devoir accélérer le truc et à devoir lâcher les ronds de l'Assassin, je sais pas, mais les ronds, quoi qu'ils vont avoir, et à faire un vrai mercato. Ils ont comme objectif, je crois, de faire un vrai mercato. Mais des vrais joueurs. Après, faut voir standing parce que, supérieur. Tu vois, regarde, on comparait à Paris, tu vois, quand ils lancent le projet, tu dis, c'est intéressant, c'est cohérent. Et tu vois, les premières saisons sont rassurantes dans le projet, comme Newcastle. Là, il faut voir aussi ce que ça va donner l'année prochaine dans la Ligue des Champions. Mmh. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est très costaud en Première Ligue. Donc, si tu es très costaud, que tu arrives à être troisième en Première Ligue, je vois pas tous les matchs de Newcastle, mais ça doit être quand même très solide. Après, quand tu regardes la compo, t'as pas de joueur, tu vois, stratosphérique niveau de Ligue des Champions. T'as des vrais joueurs affirmés quand même. Après, tu sais aussi que déjà la première ligue de base te permet au niveau du budget d'aller faire quelques folies. Ouais. En plus, avec les mecs qui ont un état derrière, ils sont capables d'aller chercher des mecs. Bruno Guimaraes, c'est déjà niveau Ligue des Champions. Regarde quand Lyon va en Final Four et ils ont un Guimaraes au milieu, tu vois. Alors là, j'ai juste tapé pour voir les petites rumeurs de transfert, justement, parce que vous en parlez de ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Là, pour l'instant, il y a deux noms qui ressortent sur plusieurs articles. À vérifier, on verra cet été comment ça se passe. Mais ils ont comme ambition de récupérer Dybala et Tomori, pour l'instant. C'est les deux noms qui ressortent. Tomori anglais. Quelques doutes. Dybala en première ligue. Dybala en Angleterre. Pourquoi pas, après ça. Oui, non, mais oui, pourquoi pas, mais... Ça pourrait le faire. Ça paraît... Tous ces joueurs un petit peu trop fins techniquement et qui paraissent légèrement limités physiquement. Dybala Newcastle, parce que Newcastle, faut se rendre compte que c'est une ville, c'est au nord de l'Angleterre, c'est l'enfer. Il pleut tout le temps là-bas, c'est sûr. Plus belle ambiance d'Angleterre et ça serait beau de les voir en Ligue d'Ash, voir ce que ça peut. Là, voilà, là, c'est un peu le Lens, tu vois. Peut-être pas le même public, tu vois, mais tu sais, dans la ville, tu vois. Dans l'histoire, ouais. Donc un Dybala, tu vois, avec. Tu vois, t'es le joyau à Newcastle. Pleine flotte, ça me ferait pas plaisir, je pense. Moussa Diaby aussi est évoqué, McTominay pour les supporters de United, Diaby, quand même Connor Gallagher, James Maddison, Ruben Neves. Ouais, tous les mecs qui sont sur le marché des transferts en fait quoi. Mais ils veulent en faire un dans ceux-là pour étoffer leur milieu de terrain. Voilà, sur les infos de Newcastle. Et alors qu'est-ce qu'on en pense de Liverpool? Qu'est-ce qu'on en pense de Liverpool? Mais ils sont encore fait peur, ils sont fait très peur, que Jurgen Klopp a perdu sa cuisse là-dessus d'ailleurs. Tu mets 3-0, par contre ça me fait plaisir de voir Richarlison être dégoûté juste derrière. Et l'autre, Diogo Jota, il célèbre pas, putain, il célèbre là. Comme on disait Cavarène, putain, l'autre il fait le poulet, tu vas faire le poulet devant sa gueule, c'est incroyable. Le mec surtout, il est une clim, il est dans son stade à Anfield. Ils se font remonter. Diogo Jota. Il met le but, il fait une célébration en mode calme à faire le truc zen. Il joue à play. Il doit faire une célébration, il doit enflammer le stade. Clairement. Et c'est là où tu fais ta connexion aussi avec le public. Clairement, parce que Richarlison, il fait la poule, mais il est d'Everton, il aime pas Liverpool. On peut rappeler qu'il a un but en première ligue. Tout ça, c'est ce que j'allais chercher. C'est son premier but de la saison. Et les deux autres buts qu'il a marqués, c'est contre Marseille. Il bouge pas. L'autre, il a tatoué 15 visages derrière lui. 23 matchs. 23 matchs. C'est une énorme merde. Sans déconner. Lui, je peux pas le tordre. Non, mais après, pour Liverpool, pour leur saison. Liverpool, la saison est ratée. T'es à te demander si... Si, ils ont réussi un match, quoi. Bah, t'es à te demander si Klopp a encore... son effectif, quoi. Excusez-moi. S'il arrive à gérer son effectif, s'il arrive à en obtenir quelque chose.
même la saison de Salah est décevante, la saison de Jota même est décevante. Moi je me demande pas si c'est la si c'est pas la fin d'un cycle pour Klopp. Ah, je pense, moi c'est ce que je pense sincèrement. C'est terrible, mais bah, je crois pas terrible. Que... Non, mais c'est pas sur par rapport à lui, mais c'est par rapport à un moment donné, un entraîneur, il a beau genre Guardiola, à un moment donné, même si c'est le meilleur entraîneur du monde, à un moment donné, il arrivera à fin d'un cycle, tu vois, ton message passe plus auprès d'un groupe, exactement, etc. Ouais. Bah, est-ce que c'est pas le moment, je sais pas. Wilson, son premier argument d'être parti, c'était qu'il sentait que les générations avaient changé. Sentait qu'il y avait un tournant. Il arrivait plus à s'adapter. Il savait que la génération allait changer, qu'il arrivait plus à s'adapter, effectivement. Et il sentait, bon, après, le dinguerie du club aussi. Bon, après, quand ça couche avec sa fille, je comprends pas pourquoi il arrive pas à s'adapter, quoi. Liverpool, c'est 13 points sur les 15 possibles, sur les 5 derniers matchs. Oui, mais si tu prends l'ensemble de la saison est... T'en attends beaucoup plus. J'ai même pas rappelé. 16-8-9. Ça fait 16 victoires, 9 défaites. Sur un 7 points United, quoi. Donc, c'est ça. Ce qu'ils ont pris par Arsenal. Seul gros match qu'ils ont fait finalement, c'est la grosse victoire contre. Non, décevant avec Van Dijk qui fait une saison très très moyenne. Est-ce qu'il a pris là sur le drip de Perisic sur non, je pense que même toute la façon de jouer, effectivement, quand vous dites le cycle, tu vois que tu as des joueurs qui sont plus cohérents avec ce qu'ils proposaient avant. Arnold, Robertson, tout ça, toute la défense quoi au final. Et même un Mané. La défense de Liverpool, c'est dramatique. Hein, les buts qu'ils prennent, Konaté, il est parti au Mori. Humilier, comme c'est ce que vous disiez. Enfin, mec, il n'y a plus personne, c'est fou. Les buts qu'ils prennent, franchement, Alisson, quand il se fait lober, là, pareil, il est trop avancé. Enfin, franchement, tu sens que tu as l'impression qu'ils ont cassé cette exigence qu'ils mettaient et qu'ils arrivaient à être... Parce qu'en fait, pour être au top en Angleterre, il faut que tu sois monstrueux, il faut que tu sois exigeant tous les matchs. Enfin, tu vois, c'est... faut être parfait, en fait, pour être... Mais même Klopp, hein, Klopp là, ouais, il a dit qu'il sentait que c'était de sa faute, en fait, aussi, tu vois. Il prenait sur lui en disant... bah que voilà, si les résultats sont pas là, bah il s'attend à ce que la direction lui dise et il sera pas contre tout. En gros il a dit j'assume tout ce qui se passera en fait. Quoi qu'il arrive, Liverpool, pas Liverpool, tout ce que j'ai fait, que j'ai pas fait, voilà, aujourd'hui il se passe que ça marche plus. C'est depuis combien de temps aussi qu'il est là? Il a tellement remis le club, mais il vient de nulle part. C'est exceptionnel, il vient de nulle part. Il vient de nulle part. C'est le plus grand coach peut-être de l'histoire de Liverpool, presque. Il est là depuis 2015. Ah mais voilà, mais je veux dire mec, ça fait Bill combien de temps qu'ils avaient pas, Bill ça fait 50 ans. Voilà, c'était lui, pardon, Bill Shankly. Oui, mais ça faisait 5 ans. Ça fait 8 ans. Non, mais entre être un fondateur comme Matt Busby dans ce cas-là, à Manchester United, Matt Busby qui est celui qui a lancé Busby Base, première ligue des champions, etc., à Ferguson, tu vois, après il a pas autant construit que Ferguson, hein, mais faire 50 ans, bon, c'est un autre débat. Non, mais Klopp, il est beau ce débat. Ouais. Mais Klopp, c'est sûr que c'est le top 3. Après, de là à dire que c'est le meilleur. Sur l'histoire d'avant, effectivement. Il y a ce qu'ils ont gagné avant lui. Ouais, même sur Gérard Rouillet, tu vois. Mais sur l'histoire récente, c'est de toute façon peut-être top 3 aussi des meilleurs coachs européens sur peut-être les 20 dernières années. Non, en termes de projet, en termes de projet. Parce qu'il l'a fait aussi avant. Il l'a fait aussi avant. Un coach qui a battu Guardiola à chaque fois. Non, mais juste parler du projet club, d'un cycle, etc. Dortmund, il tapait Guardiola constamment et en termes de jeu. Régulièrement, il s'est fait taper aussi. Lui aussi, on peut parler aussi du jeu vertical qu'il a proposé. Clairement, il a changé aussi un peu le game. Jean Pougassien, du coup. Lui, il est une équipe qui a changé le jeu, hein, qui a vraiment apporté un truc dans le jeu. Oui, parce qu'on parle moins de lui, mais enfin, tu vois, c'est lui qui a démocratisé aussi le gegenpressing dans toute l'Europe. C'est lui qui a mis ça sur la table avec Tourelle qui l'a. Ça se voyait parfaitement avec une opposition avec Guardiola qui lui était dans un truc beaucoup plus possession et tout. Et ça, c'est belle confrontation, ça, on s'en souviendra en Premier League. Non, c'est anglais. C'est grâce à Klopp qu'aujourd'hui, si il vous montre en avant. C'est beau. Au centre pressing. Oui, c'est celui qui a fait l'intérim à United là, qui l'a inventé ça. Et ben le gig, c'est un terme. Ralf Rangnick, voilà, merci. Il est de quelle nationalité lui? Autrichien. C'est celui qui a construit le projet Red Bull. D'accord. Gigan. Et ben très bien, on a fini sur l'Angleterre. Le Tour d'Europe est fini. Le Tour d'Europe est fini, putain, c'est énorme. C'est énorme. Passons au foot auvergnat. Auvergnat en commençant par. Toute l'Europe pour revenir en Auvergne. Je crois que la terre est ronde, hein, comme dirait l'autre. Hein. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Nous revenons donc en Auvergne. Foot Auvergnat, commençons par le championnat national. Castelin, il va vraiment falloir, avant la fin de la saison, que tu nous fasses une chronique et que tu sois actif sur cette séquence-là. Ouais. Non, mais je te le dis. Non, mais je te préviens. Je te le donne en mille. Le Puy Foot, championnat national. Défaite ce week-end, 1-0 face à Dunkerque. J'ai encore regardé le résumé, c'était brillant. Combien de secondes? On n'a pas passé les 2 minutes. Hein. Donc, c'est fait, officiellement. Le Puy est relégué en National 2, évoluera donc dans le championnat National 2. Avant-dernier, là. Ils sont avant-derniers.
Il reste 3 matchs, 9 points à prendre, et le premier non relégable qui est Bourg-en-Bresse est à 38 points. Donc voilà, je ne sais pas si on va trop s'éterniser là-dessus. Bah, que dire ? Triste pour le football auvergnat. Un chemin de croix, hein. Un long chemin de croix cette saison. Après, quelle est l'ambition de ce club ? Est-ce que c'est plus vraiment budget, de ce... plus petit ouais. budget du championnat aussi, hein, quand même. Est-ce que c'est en tout cas sur Football Manager. C'est vraiment de se pérenniser en National 1 ou enfin, moi, je me souviens, avant le Covid, ils avaient fait une super saison en National 2. Ils montent à la dernière journée, je crois. Ils montent et championnat national, première année en National, ils descendent l'année où le championnat est arrêté à la 7 ou 8e journée à cause du Covid, tu sais. Le championnat n'est pas terminé, ils sont premiers relégables et ils descendent par ce principe-là. Donc l'année d'après en National 2, ils arrivent à remonter, recréer l'exploit. Je pense que c'est un club qui a trop d'ambition ou de budget pour être en National 2 et pas assez pour être en National. Ouais. Parce que pour une ville comme Le Puy-en-Velay, alors ce serait beau, mais d'avoir une équipe en National 1, c'est quand même assez fou. Hein. Après, tu me diras, quand tu vois les clubs comme Sedan, les villes comme Sedan. Avec Dunkerque, attends, j'ai regardé le résumé, Dunkerque, leur stade, il est extraordinaire. C'était l'équipe de Dunkerque. Momo Bayo, c'est là où il est prêté avant de revenir, clairement. Ouais, en National. Vrai stade, hein, franchement, avec parcours là, des spectateurs à mi-hauteur au-dessus du stade. Limite, c'est presque plus beau que le Clermont Foot, quoi, leur stade. Ok, oh, respect. Non, voilà, le budget du Puy, c'est 3,2 millions en National. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me rends pas compte, je connais pas les autres budgets, mais effectivement. Après, tu te dis qu'il y a quand même un moment, il y a du budget parce que c'est un club qui a réussi à avoir Franck Lostis qui sort du Clermont Foot. Alors là, on va pas parler de grands joueurs de foot, mais on parle quand même de joueurs professionnels. Bossetti, à une époque, ils ont fait venir Benjamin Psom. Ils ont fait venir un Renoir qui a été champion de France avec Lille à une époque. Salibur ? Non. Champion de France avec Lille. Bref. Non, mais tu vois, ils font venir des anciens professionnels. C'est des mecs qui peuvent jouer en Ligue 2 ou en National avec un beau billet, et pas Guillaume, mais qui peuvent avoir de l'argent. Il y a du salaire, il y a de la masse salariale, et pour autant ça réussit pas. Alors est-ce que. Après cette année, là, tu as l'effectif, il y a leur attaquant, la Ben Frej, qui vient de Toulouse, c'est ça ? Prêté par Auxerre ? Super. Toulouse. Prêté par Auxerre, oui, non, mais après il marche comme ça. Riviera prêté par Saint-Etienne, Bakayoko prêté par Saint-Etienne. Bon, le mec, il arrive au Puy, il oublie ses chaussures, il fait un scandale, il a pas joué un match, il venait de faire deux matchs en Ligue 2 avec Saint-Etienne, il est prêté au Puy, il fait un scandale, il oublie ses. Enfin, bref. C'est le comportement. Après, moi, je pense que c'est d'autres débats. Il faudrait s'intéresser peut-être plus au puits. Mais à mon avis, ils se trompent de. Ils font comme ils peuvent, mais ils se trompent de chemin parce qu'il y a trop peu de joueurs formés au club. Alors après, tu arrives à un niveau, je suis d'accord, où il faut avoir des joueurs. Mais. C'est quoi cette info ? Est-ce qu'on peut savoir d'où tu viens ? Vulcania, le puits ? Mais du coup, t'es en 19 NAS quand même derrière. T'es en 19 NAS, t'as pas un joueur qui. Les joueurs, en fait, ils vont alimenter des Espali, des Velay. Après, c'est dur encore une fois de se former. On était dans un football auvergnat justement qui est plus faible que le Rhône-Alpes et que d'autres régions. Donc quand tu prends des mecs du coin que tu les fais jouer au niveau régional Auvergne, et ben quand ils arrivent au niveau National 2, National 3, ils montent de National 3 à National 2 avec que des joueurs du coin. Ouais, regarde, le problème c'est que c'était ta génération de fou, tout ça. C'est la génération par le bas. Hein. Ils arrivent à National 2, ils en virent la moitié. T'as une première moitié. Mise sur ce qui se passe en dessous plutôt que. Ils font la montée de National 2 en National avec trois joueurs qui sont aux alentours du puits. Il y avait Greg Sell, il y avait Peuzer. Aujourd'hui, ces mecs, ils jouent à Blavozy. Ouais, mais aussi c'est parce que je pense que c'est ça. Je pense qu'en National, normalement, une équipe elle va viser par les clubs d'en haut, quoi. Ils cherchent les joueurs en haut alors que nous on les cherche en bas, quoi. C'est ça. Je pense. Et effectivement, donc après, relégué l'an prochain, ça sera de la National 2. Tu penses quoi, Castellin? Castellin, qu'est-ce que t'en penses, toi, Dupuis? Belleville? Non, je trouve ça forcément dommage déjà pour le foot auvergnat globalement. Après, moi, le problème c'est que quand je regarde zéro match, je connais pas les effectifs, toujours du mal à en parler. Mais je suppose, en effet, on a toujours beaucoup entendu parler Dupuis, même ici à Clermont. Donc je pense qu'ils ont quand même des infrastructures et en effet des sponsors et des possibilités qui sont énormes. Forcément compliqué, après, c'est des championnats où ça se joue des fois certainement à pas grand-chose. Donc. Voilà, compliqué en espérant une remontée rapide.
Puis c'est des championnats où tu as beaucoup de mecs qui, tu sais. Ouais, bah, bien sûr, qui font l'ascenseur. Qui font l'ascenseur, des mecs qui vont venir pour une saison et qui vont partir après dans un autre club parce qu'ils veulent rester à un niveau national. C'est compliqué, je pense, de créer une. Une vraie osmose, ouais. Après, ouais, les championnats... Ça, c'est un problème. Moi, je trouve que c'est un vrai problème aussi du foot semi-professionnel, ouais. Puisque là, on est sur ce sujet-là. C'est qu'il y a, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a encore plus de turnover avec des mecs en fin de carrière qui viennent prendre des chômages. Enfin, il y a toujours des gestions assez compliquées. Malgré tout, visiblement, ça paraît indispensable pour pouvoir avoir de bons résultats, d'aller chercher ce type de mecs-là, plus des mecs un petit peu à droite à gauche, des fois presque de l'étranger. Donc, et c'est vrai que pour du coup créer et une ambiance club et une équipe qui a l'air de se battre pour tes couleurs, c'est toujours compliqué. Donc je pense que c'est peut-être aussi une de ces problématiques. Il y a pas mal de clubs auvergnats, je sais pas, t'en connais certainement plus que moi, qui ont des moyens, mais on n'a pas forcément l'impression que l'équipe Fagnon reflète vraiment le club. Bon, après, en fait, c'est ça, c'est quel va être après le projet du club, quoi. Est-ce que t'as à tout prix envie d'aller chercher plus haut et tu vas chercher des joueurs autour pour réussir à faire ça, de maintenir là-haut, ou est-ce que tu préfères rester à un niveau un peu moindre et développer ton foot local, enfin, ouais, exactement, ouais, c'est toujours ça un peu. Ça doit certainement être compliqué parce que tout le monde a envie d'être ambitieux et ça doit demander plus de budget, plus de ci, plus de ça, alors qu'en plus quand t'as de moyens assez intéressants, tu dois avoir envie de le faire. Terrible, hein. Donc, à suivre. Flo Balmont, première expérience en tant qu'adjoint. Adjoint ou directeur sportif? Non, adjoint de Roland Vira, descente en National 2. Terrible. Très bien pour le Puy Foot. Passons à Chamalières. Mamadou Niang s'en fout de le manager, mec. Chamalières, victorieux dans le derby face à Moulin Easer Foot de 2-0 pour le championnat de National 2. S'offre un bon bol d'air. Puisqu'aujourd'hui, Benja, t'as le classement, toi. Ouais. Je l'ai plus en tête-tête, mais il me semble qu'il y a 6 points. Alors, Cham, 38 points. Et le premier relégable, c'est qui, Andrézieux ? C'est Andrézieux, ouais. 32. 6 points. Putain, 6 points, ils sortent. T'es à 6 points du premier relégable et à 7 points du premier. C'est n'importe quoi, surtout dans le National 2. Mais c'est vrai ça? Mais oui, ah, regarde. C'est ultra serré. Ouais. Il reste combien de matchs? Combien de victoires d'affilée ils en sont là? Là, ils sont à 3 victoires d'affilée. Il reste 4 matchs. Complet, déjà, il y a 16 points. Ouais. Il y a 16 équipes. Il y a 16 équipes et t'en as 5 qui descendent, Gaston. 5 qui descendent? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, 5. C'est l'enfer. Et ça fait un mois qu'on en parle, Gaston. Oh, ça va. Merde. Donc, Chamalières. C'est l'enfer, la nationale 2. Chamalières, Gaston, pour te resituer. Les trois derniers matchs, c'est victoire contre Moulin Easer la semaine dernière. Moulin Easer qu'on embrasse. Voilà. Parce que eux, ils sont mal. C'est officiel. C'est pas officiel. Ah non. Ouais. Il reste 12 points. Ouais, c'est officiel, ok, d'accord. Non. Alors. C'est pas officiel. Ouais, c'est officiel. Après, le week-end d'avant, c'était victoire contre à l'extérieur à Gol FC. Gol FC, là, il y a l'équipe de Lyon, là. Ouais, c'est ça. But, 1-0 but de Mathis Dodin. Oh, c'est vrai? Oh là, non, mais toi, tu suis vraiment. C'est quand même. Ouais, c'est terrible. Mais t'étais en Irlande. C'est vrai, t'étais en Irlande. Ah, bah. Et juste avant, ils avaient gagné à domicile 5-2 face à Bergerac. Donc. C'est pas vrai. Si. Non, mais faut suivre. Ils peuvent encore descendre. Il reste 12 points à prendre, Castola. Et si? Il reste 12 points. Et pourquoi pas? Alors peut-être. C'est fou. La quenelle de fou que ça serait. Donc, là, c'est une saison historique de chez historique. Ouais, c'est encore une fois, c'est un peu, tu sais, comme le Clermont Foot, tu les annonces, ça va être dur, il y a beaucoup de descentes cette année, et au final, tu vois que ce qui est mis en place... Plus par, ça doit être dingue pour Pradier quand même. Par le nouveau coach, c'est quand même première fou. Saison au niveau National 2, lui qui arrive de R3, qui avait fait monter les marques de verre en R2. À un moment donné, il n'y a plus de hasard hein, quand il t'arrive ce genre de truc. C'est que t'es compétent. Et apparemment, tout le groupe le kiffe, ça se passe bien. Apparemment, il bosse vraiment, il fait des analyses vidéo individuelles. Il vient même voir les matchs de l'équipe 3 de Chamalières quand ça joue contre Saint-Genès. Et pas le coach de l'équipe de Chamalières. Dis-le pas trop fort, parce que si Kiro est derrière la caméra. Non, mais voilà, c'est un groupe qui a l'air de bien vivre. Vous avez dû les croiser ce week-end, non? À 5h30 devant un kebab. Vous avez croisé à 5h30 devant un kebab. Ça peut être flippé, on va y avoir. Je pense qu'il est au courant. Mais non, mais voilà, c'est super ce qu'ils sont en train de faire.
Le mec, il joue au foot avec eux en étant jeune, donc déjà, c'est vraiment fou ce que fait Chamalière. Il fait. C'est plus que louable. Avec le meilleur attaquant de la poule, quand même. Mmh. Mbina dans l'équipe, donc déjà, ça aide. Meilleur buteur. Et remplaçant. Meilleur buteur. Et remplaçant à ce match-là. Ah oui, parce que le coach, il gagne le premier, et il gagne chez le deuxième, parce qu'ils étaient deuxième à l'époque, en mettant le meilleur buteur de la poule sur le banc. Sur bonsoir. Le banc. 14 buts, monsieur. Combien 14 maintenant okay. Là, il est à 15, je crois. Voilà. Il va finir par tirer la gueule après. Et d'après Soussou, donc information, la buvette. Info la buvette Chamalière deviendrait la. Attention, saucisse, ça peut être vite saucisse cette info. Hein. Mais c'est Soussou qui l'a annoncé. Vu qu'il travaille avec. L'info saucisse. Prends les pincettes, prends les pincettes. Il travaille pas avec un partenaire là-bas ou. Vas-y, annonce. Peut-être, annonce. Et bien que Mbina aurait été pris au Clermont Foot pour l'an prochain en groupe réserve ou quoi. En tout cas en test, et que Chamalière deviendrait club satellite officiellement que du Clermont Foot. D'accord. Allez. Bah Gastien va souvent voir... Gnalega, milieu de terrain de Chamalière, est prêté par le Clermont Foot. De toute façon, il y a toujours des grosses connexions. Ouais. Rappelez-vous le nombre de fois on a vu Julien Laporte qui venait voir quand il jouait encore à Clermont. Oui, c'est parce qu'il venait voir jouer ses potes, c'est ça. Ouais, mais bon, tu as des connexions, c'est ça que je veux dire. Globalement, tu as toujours des joueurs qui se. Quand tu es le deuxième club de la région, du département, pardon, tu es à 500 mètres de la. Les mecs ont joué en jeune au Clermont Foot, à l'ASM, enfin tu vois, y a, comme tu dis, il y a des connexions. Gatien il vient régulièrement, on l'a eu vu avec son petit carnet là en tribune, entendre Chamalière sous préfecture. Et rouge. Et rouge. Et entendre Pierre Dupré lui dire à côté, un garbage, il est pas fou quand même. Meilleur buteur. Ouais, bonsoir Clara. Donc voilà, donc Chamalière devrait, on va faire attention au Black Cat de la buvette, mais devrait. Se maintenir, il reste encore 3 points à prendre. Ça passera par ce week-end contre Vierzon. Hein. Wow. À domicile ? Domicile. Ou pas ? Ça va ? On n'a pas l'info ? Tac, l'info c'est que c'est à Vierzon. Ah, et Vierzon c'est fait, hein, Guitoun, non ? Vierzon c'est presque Guitoun. Vierzon c'est le match du maintien aussi. Hein. S'ils veulent avoir une lueur d'espoir, ça passera par une victoire obligatoire contre Chamalière. Ouais. On va les éteindre. Donc on va les éteindre. Et après, Chamalière reçoit les Herbiers. Donc, les Herbiers qui est deuxième. Donc, la spécialité, c'est d'éteindre le. Après, podium. C'est déplacement au stade Bordelais. Déplacement au stade Bordelais qui est relégable, qui joue le maintien. Et après, c'est réception pour finir la saison de la baie du Sco d'Angers. Ah, ils ont une vraie poule en vrai. C'est vrai qu'ils ont une vraie poule. Et la baie du Sco d'Angers, est-ce qu'il serait pas meilleur que leur A? Attends, donc là, Andrézieux descend. Les Herbiers, même les Herbiers, le club que c'est, les Herbiers. Finale de Coupe de France. Non, mais outre la finale, c'est des mecs qui ont des structures. Tu dois bien le savoir. Clairement. T'avais pas vu, justement, parce que les reportages après la finale. Eh ben, les Herbiers, ils ont pris 2-0 à tri. C'est vrai qu'ils ont pris 3-0 en remonte. C'est ça que je veux te dire. Par rapport à Chamalière, je pense qu'on parle. Même Bergerac, pas de la. Normalement, l'année prochaine, Benja, Bergerac et Trehissac. Oui, j'ai vu. Devraient fusionner. Ah bon ? Ouais, j'ai vu. Mais non. Ouais, c'est sûr. Bergerac premier, Trehissac 7e devraient fusionner. Ça, c'est ouf. Et faire une. Attends, mais si Trehissac fusionne. T'arrives à avoir deux clubs en National 2 et t'es au. Bah, gros, c'est des thunes, hein. Bah, regarde. Regarde l'avant-dernière. Regarde l'avant-dernière. C'était deux clubs qui étaient en CFA. C'est vrai. Moulin et Yzeure. C'est vrai. C'est devenu Moulin-Yzeure, voilà. Et ils sont en N3 l'année prochaine. Exactement. Non, mais là, gros, si Nantes, Andrézieux descend, mais. Et attends, parce que Lorient. Bon, si Lorient descend, c'est. Enfin, je comprends pas. Je pense que le stade Bordelais est une équipe de Ligue 1. T'as Vierzon et t'as Bourges qui est en deuxième de finale de Coupe de France aussi. Et Bourges qui est une entente qui s'est faite cette année entre les deux clubs de Bourges et National 2. National, t'es presque en Ligue 1. Ah ouais ? Oui. Donc, au final, voilà, il y a. Écoute, Chamalière, on leur souhaite que du bonheur. On ira faire la buvette à Chamalière d'ici la fin de l'année, c'est un objectif. Mmh. Ouais. On verra. Ce serait beau. Ce serait beau. Pour fêter la montée avec eux, pardi. Mais il faut absolument noter les matchs à domicile, qu'on puisse aller les soutenir. Bien sûr, mais il en reste deux. Et Bouvier viendra nous voir le 13 mai, apparemment. Ah, mais ça m'intéresse vraiment. Ah bon, si je peux voir les matchs, moi, ça m'intéresse. Ouais, tu peux te commenter ? Moi, je suis chaud, hein, mais moi, je crois qu'il joue. Donc, oui, bah, c'est parfait. Ça nous fait faire la transition, Benja. C'est énorme. Putain, voilà. Transition, le vrai football. Et là, après avoir parlé de Ligue 1. J'ai cru qu'il y avait des diapos aussi avec des photos, non ? Après avoir parlé de la Ligue 1, après avoir parlé de l'Europe, du Barça, de Naples, de Liverpool, de City, venons au vrai football. L'AS Saint-Ge des Champanelles. L'AS Saint-Ge des Champanelles, victorieux, difficilement, dans la douleur. Putain, et bizarrement, les gars, je sais pas, mais on était sur une petite descente en termes de viewers.
Non, on fait que descendre depuis tout à l'heure. Là, on est à 19. Hein. Là, on est à 19. Ah, bah, c'est écrit 12, c'est bon. Ça affiche 12. Instant Saint-Genès, 19 viewers. Victoire dans la douleur à Cournon. La semaine d'avant, qu'est-ce qu'on a fait la semaine d'avant? On a gagné contre Besnay. Victoire très importante contre Besnay. Mm-hmm. On va essayer de parler rapidement de ces deux matchs et du prochain match contre Commentry. Donc victoire 2-1 contre Besnay. Benja, fais un petit retour rapide sur le match. Retour sur Besnay avant Cron. Ben oui, on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, Benja. C'est vrai. Donc, c'est vrai, excusez-moi. Ouais, donc victoire contre Besnay, ouais, grosse prestation de l'équipe. Hein, Surtout de la base. Ouais, non, on a tous fait un gros match, tous dans le bon esprit dès le départ, tous dans l'envie de conquérir, courir pour conquérir. Et globalement, non, on mérite largement, mais en tout cas, on mérite de gagner. Même s'il y a eu un petit temps faible, un petit temps mou, on s'est senti aspiré par cette pseudo-gigite qui est arrivée ou pas, où on sentait ce but ou pas arriver, mais il est arrivé. À la 90e. À la 90e, sur un but parfait. Non, l'égalisation. Ah, pardon. L'égalisation à 70-15. Donc ouais, l'égalisation qui revient en fin de match, donc ça nous met un peu dedans, et après, ben, on a réussi à immédiatement réagir et finalement aller chercher ce qu'on voulait dès le départ et qui reflète au final la globalité de notre match. 1-2-1 sur un but magnifique de Victor. Et voilà, donc non, je pense victoire méritée, même si avec une petite fin de match un peu chaude, mais donc globalement, on a fait un gros match et le résultat reflète bien le score reflète bien le match. Quoi. Voilà. La vanne, rajouter quelque chose? Rajouter quelque chose. Ouais, très belle première mi-temps sur Besnay. Deuxième, plus compliqué le début. Enfin, en tout cas, ils sont mieux dans le match. Donc, on se fait égaliser. Et la fin du match, on arrive à marquer à la 90e. L'effet de jeu tourne en notre faveur quand même. Donc c'est ça. On a réussi enfin à gagner contre une équipe du haut de tableau. Parce que ça, faut quand même le souligner. C'est la première fois et c'est ce qu'il faut pour réussir à monter. Donc voilà. Castelin, Besnay. Besnay, une des meilleures premières mi-temps de la saison, clairement, en termes de jeu, en termes d'intensité, même en qualité technique. C'était vraiment très très intéressant. 1-0 à la mi-temps, c'était tout à fait mérité. On n'avait pas énormément d'occasions non plus pour aller peut-être pour vraiment les enfoncer. Ce qui leur permet de revenir dans le match rapidement avec une grosse première demi-heure de leur côté, surtout au niveau physique. Hein, parce qu'au niveau technique, c'est d'un moins bon niveau que Saint-Genès, tout simplement. En tout cas sur ce match-là, après j'ai pas vu tous les matchs de Besnay bien sûr. Mais ils nous ont vraiment rentré dans la gueule et ça fait du mal. Malgré tout, l'équipe a su réagir et a continué à jouer. Continuer à répondre physiquement aussi, offensivement, défensivement. Et puis, dans une saison, il se trouve que des fois, t'as des incompréhensions qui tournent un peu en ta faveur, quoi. Hein, parce que, bon, notre ami Quentin, on se rappelle de cette main. Hein, la maladeuse, quoi. Bon, il se trouve que le mec met... T'as mis jaune et coup franc, bon, c'est incompréhensible. Bien entendu, je crois que c'est toi, Rémi, qui avait inventé une règle comme quoi quand la main est par terre. Non, c'est pas inventé, c'est une vraie règle. Mais il était pas comme ça. Il n'était pas comme ça, mais c'est une vraie règle. Si la main est en appui, moi, je peux te garantir, j'ai jamais vu main. Ouais, il y a main tous les jours. Il se trouve que j'étais délégué, moi, monsieur. J'avais le brassard. Il y a des faits de jeu qui voilà, ça tourne en ta faveur, tant mieux. C'est beau, il faut savoir en profiter. Et on va le voir encore sur le débrief de Cournon. Enchaîne d'ailleurs avec Cournon. Toi notre J'enchaîne avec Cournon. Ouais, enchaîne. Et ben Cournon, l'important c'est les 3 points. Hein, clairement, on s'est fait chier. Et ben Cournon, on s'est fait chier. C'était globalement pas bon. La première mi-temps, j'arrive en retard, mais déjà ça m'a largement suffi. L'espèce de quart d'heure que j'ai vu, c'était vraiment indigent. Mais notre coach a su réagir quand même assez rapidement.
dès la première mi-temps d'ailleurs, et même après en début de deuxième, on l'embrasse. Plus Daddy Blue. Qui le coach ou... Ou plus Daddy Blue. Qui quoi? Tu t'embrasses qui toi là? Bah, celui qui est sorti. Celui qui est sorti? Ah, Debar. Salut Debar. Et grosse performance après de certains mecs, Quentin, Adri sur ce match-là. Adri qui, sur un super bon ballon sur Coco, débloque la situation. Big Jack hein, fait un gros match. Ouais, hein. Gros match aussi de sa part, franchement. Il n'a pas défendu en première, mais il fait un gros match. Ouais, mais offensivement, c'est le seul qui amène de la technique offensivement. Une belle intensité, mais globalement, ça reste un match quand même décevant. Il faut pas... Il faut être content d'avoir pris ces 3 points. Il faut essayer de mettre de côté parce que l'adversaire n'était pas fameux. Hein. Ah ben là, oui, c'était pas Besné. Donc le 2-1 contre Besné, il est mérité et tu les bouffes et ils sont quand même pas mauvais en face. Là, tu as une équipe faible. Et, mais tu réagis. Donc on va dire que le minimum est fait. Mais décevant pour les supporters. Maintenant, finale, on va aller supporter tout ça. Messieurs, un retour sur Cournon. Benja, pour avoir été en première loge sur ce terrain. Bah pas mieux. Première mi-temps plus qu'insuffisante hein, de la part de tout le monde. Bon, forcément, je me mets dedans, hein, mais du coup, je fais un jugement. Je juge tout le monde, du coup. Hein, mais c'est vrai que insuffisant, tout le monde dans l'intensité de ce qu'on veut proposer, rien que faire une passe, rien que faire un déplacement, rien que faire un retour défensif. Rien que dans l'état d'esprit, c'était insuffisant. Malheureusement, le pauvre Debar, bah, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi le comportement qui n'a pas joué en sa faveur. Et après, il l'a avoué, hein, il a dit qu'il n'a pas été dedans, il avait rien pour lui ce jour-là, et qu'en n'ayant rien pour lui ce jour-là, bah, il a eu des petits zestes d'humeur un peu négatifs, à baisser la tête, à ne pas se replacer. Il n'y a pas que lui, mais ça reflète aussi un peu tout le monde, parce qu'on a tous été un peu comme lui, parce qu'on est arrivé, on savait que ça allait être dur, On savait que ce qui allait se passer et on a tout fait pour que ça se passe. Et on l'a regardé faire, ça s'est passé et on dit bon bah ça se passe. Mais dans une suffisance telle que on était un peu même en mode ouais, si on met l'accélère inconsciemment, on pensait revenir facilement face à une équipe bien plus jeune que nous, puisqu'ils sont dans le dur. Et que, voilà, donc on revient à la mi-temps, on prend une soufflante méritao, plus que méritao. Dans le dur même un peu mentalement, moi de mon côté à cette mi-temps. Il y a eu un bon petit... On a réussi un peu à se remobiliser. C'est vrai qu'on remet un gros coup quand même du direct en deuxième mi-temps. Hein, 10 grosses minutes qui nous permettent de revenir coup sur coup. Et voilà, et après bah, on retombe dans cette suffisance du « ça y est, on a notre score ». Mais comme l'a dit Castelin, comme beaucoup ont dit à la fin, comme Brice l'a dit à la fin, on veut dire les gars... C'est un match, effectivement, voilà, bah, ce match-là, il fera partie des matchs que tu gagneras salement. Parce qu'aussi, tu joues contre une équipe qui est à la rue. Et toi, tu t'es mis à leur niveau dans un match qui, dans ta tête, tu savais que c'était important de le gagner. Et donc, tu as tout fait pour au moins le gagner. Le reste, on s'en fout, puisque maintenant, on n'a pas fait non plus une saison entière de matchs comme ça. C'est le seul match qu'on a fait comme ça depuis même... Puis même l'an dernier, je pense pas qu'on en ait fait des aussi nuls. On passait à travers, mais pas dans le caractère et dans le comportement. Je trouve que là, c'était plus le caractère et le comportement qui n'allait pas. Et là, voilà, on a fait l'essentiel pour se présenter, avoir ce qu'on voulait. Un match contre Commentry plus qu'important, puisque Commentry a gagné de son côté. Lavan, quelque chose à rajouter? Non. Bah non, rien de plus à rajouter sur le match. Tout a été dit, on a été nul à chier et on a réussi à gagner. Voilà, point barre. Non, mais le boulot est fait, il n'y a rien de plus à dire, on a été nuls. Voilà. Il nous reste 15 jours là pour préparer cette finale. Voilà, finale face au Dauphin Commentry. Ouais. Commentry qui, au match aller, on avait fait 0-0. Sur un match compliqué au terme des conditions climatiques, si je me souviens bien, ça pleuvait à outrance. Dodds se blesse la 20e. Edouard, premier match qu'il est repositionné dans l'axe derrière. Donc il y avait quelques changements tactiques. On verra. On a 15 jours pour le préparer. On en parlera de toute façon d'ici dans 3 semaines. Ouais. En espérant que la suite de la saison soit belle. Ouais. Exactement. Il n'y a pas de raison. Ouais, faut compter en tout cas sur tout même l'environnement qu'il y aura autour du terrain. Là, sera important. Fais un appel aux spectateurs. C'est un appel aux spectateurs. Voilà, faut le dire. Parce que nous avons eu un débat avec notre père Dodin et peut-être Ludo, d'autres mecs, je ne sais plus avec qui j'étais.
Il était quelle heure? À ce temps-là, ils étaient intéressants, donc c'était intéressant. Donc je sais plus quelle heure c'était. Mais on s'était dit, ouais, est-ce que ça serait pas un des matchs en termes de scénario, de tout ce qu'on a vécu à Saint-Genès, au-delà d'une Coupe de France à Velay, qui était contre Velay à domicile, qui était forcément une super soirée. Dans le scénario de comment ce match arrive, c'est peut-être un match avec des plus gros matchs en termes de scénario et de. Plus gros match de l'histoire de Saint-Genès, c'est ça que tu veux dire? Pas de l'histoire dans l'importance, mais dans ce que ça amène comme conséquence, oui. Dans une montée, jouer une montée à deux matchs de la fin, où tu as toujours été premier avec un mec qui a toujours été premier à côté de toi, parce qu'ils ont été premiers parce qu'on avait un match en retard. Mais il faut rappeler aussi qu'on a été premier toute la saison, hein, depuis le premier jour. Donc aussi, tu peux concrétiser une saison de fou, dans une saison où, en fait, pour monter, faut être champion, contrairement aux autres années. Bon, apparemment, il y aura meilleur deuxième, à ce qui paraît. D'après ce que m'a dit Papy Chaudet. Mais voilà, tu pourrais concrétiser une saison exceptionnelle, entre guillemets, puisque tu pourrais gagner et être premier non-stop. Quoi. C'est ça. Champion, ça serait magnifique. Et que, voilà, pas oublier aussi quand même, tu fais match nul, c'est eux qui doivent venir gagner chez toi, même si je suis complètement d'accord avec toi que l'importance du match est capitale, mais pas oublier qu'avec un match nul... T'as 3 points d'avance. Voilà, t'as toujours 3 points d'avance et après il te reste 2 matchs. Hein, donc bon. Mais avoir en tête aussi. Advienne. Que pourra. Tout à fait, Rémi. Nous verrons dans les prochains jours. Pas de pression à avoir. Si les ingrédients qui ont été mis tout au long de la saison sont mis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur ce match-là. Où je sais qu'au vu déjà de Besnay, il y aura du monde au stade. Donc l'objectif, j'espère, c'est de faire une belle fête. Ouais. Nous serons voilà. tout le monde, qu'on sera tous là, moins un. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Tous ceux qui ont compris, vous pouvez mettre un pouce seulement dans le chat. On veut pas de dénigrage, mais vous pouvez mettre un pouce. Passons au dernier sujet. Refermons cette page foot Auvergnat. Extra time. Temps additionnel. C'est à ce moment-là où je vais essayer de gagner. Temps additionnel. 5 minutes minimum. Allez. Principe aujourd'hui. 3 petits jeux rapides. On a un joueur, comme d'habitude. Le principe du joueur, né, machin, tout ça. On a le deuxième jeu, c'est des enchères. Vous pouvez jouer dans le chat. Mais il faut pas qu'on regarde. Donc on va couper le chat. Non, tu le fermes juste, ouais. Tac. Le deuxième jeu, c'est des enchères avec un thème précis. Très bien. Et là, il y aura 3 exemples, enfin 3 exercices, je dirais, 3 questions. Voilà. On commence par le joueur. T'as rien écouté ? Le premier, c'est un joueur. D'accord. Ok ? Allez. Ça, c'est bon. Ça. Vous êtes... Are you ready ? Là, ça se recoule. Ouais. Là, c'est bon. Là, ça se remet bien au fond du canard. Putain, j'ai... Joueur. J'ai un titre en jeu. Ah bon ? C'est qui a gagné ? Ouais, semaine dernière, c'est moi qui ai gagné. Non, c'est la Varine qui a gagné. Regardez les bancs. Ah oui, merci. C'est sur un contrat. Ouais, voilà. Castellin finit 2 et toi, tu finis 3. Voilà. Donc, il avait joué, lui ? Ouais, il avait joué. Et t'as dit qu'il avait fini premier ? Non, deuxième. Voilà, merci. Ouais, merci. Le 1 contre 1, c'était la semaine d'avant, machin. Ouais. Allez, on commence. Joueur, né en 1976 à Torrejón de Ardoz, en Espagne. Casillas. J'ai donc 46 ans. Je commence ma carrière professionnelle en 96 au Real Madrid. Il a autant de chance qu'il veut. Est-ce qu'on peut mettre des règles? On va mettre des règles. Tant que je n'ai pas fini la phrase, non, je vais mettre des blancs. Il a déjà donné deux réponses. Ils sont deux. Ils ont le droit d'être deux sur la liste. T'as la règle. Pardon. Parce qu'à force de broyer, on entend plus ce que tu dis, monsieur l'arbitre. C'est vrai. Monsieur, vous attendez d'avoir que j'ai fini ma phrase pour donner une réponse. Tu vas voir que c'est le premier enchaîné à ce chien. Ma carrière professionnelle commence en 96 au Real Madrid. Attends, quand est-ce qu'on peut répondre ? À la fin de la phrase. Là, c'est bon, elle est finie ma phrase. Morientes. Non. Redondo. Non. Bon, ça, il a déjà répondu 2 fois, pardon. J'ai joué 542 matchs chez les Merengues jusqu'en 2010. Michel Salgado. Non. Putain. Jusqu'en 2010 ? Oui. Il a commencé en 96, il a fini en 2010. 14 ans. Benja. Putain, et quand il a la parole, il pique pas un mot. S'ils l'ont pas, on peut enchaîner. Hiro. Non. 2010. J'enchaîne. Ouais. Milieu de terrain, gaucher, j'ai mis 80 buts et 66 passes décisives. Guti Hiro. Mais gros, je voulais le dire, je pensais pas qu'il était si vieux, gros.
46 piges. 46 piges pour autant, j'ai ça. Ah, mais il arrête au Real en 2010. Non, non, non. J'ai joué. J'ai joué jusqu'en 2010. Pour autant, j'ai seulement. Au foot, au Real jusqu'en 2010. Est-ce que je peux finir de parler? C'est incroyable. Pour autant, j'ai seulement 13 sélections en équipe nationale de la Roja. Putain, ça, c'est incroyable. Ouais, j'étais nul. Je finis ma carrière au Beşiktaş Istanbul. Putain, mais tous les jours. Chevelure blonde, je suis. Ah ouais, je suis trop con. Moi, je suis con, moi. Putain. Je sais. 10 fois, il passe dans ma tête. 1-0 pour la Varenne. C'est pas grave, salut ta photo. Ouais, ouais, quand tu gagnes pas. Quand tu gagnes pas. Il est fou. Il est fou, ce mec. Deuxième jeu, messieurs. Ah, déjà le deuxième jeu ? Bah, bah, ça allait vite. Enchère. On sera bien amusé. Enchère. Citez-moi. Dites-moi combien vous êtes capable de citer combien de joueurs brésiliens ayant joué au Brasil, à l'OM, la vanne. Oh putain. Attends, c'est laisse-moi quand même un peu. Combien de joueurs brésiliens? C'est en 60 secondes. On va mettre un chrono même tout de suite là. Non non. Non mais là il va quand même pas le temps prendre le temps de réfléchir. Je prépare le chrono, ça sera en 60 secondes. C'est long. Combien de joueurs? Ouah, bah franchement, j'en ai pas beaucoup. Hein. Eh ben, mais tu dis deux, c'est des enchères, après il y aura encore un tour. Hein. Allez, j'en dis 6. 6. Alors, si, s'il ne répond pas bien, les 6 points, non, vous avez chacun 6 points. C'est dit, c'est dit. Allons-y, j'exagère. La balle, c'est facile en vrai. Attends. C'est bon, vous jouez. Benjamin, tu veux y aller ou pas? Attends, c'est bon. Attends. J'ai pas assez de mémoire, j'en ai pas. J'ai le droit de noter ou pas? Non. C'est à Benjamin de répondre là. Ma liste. Non, c'est à Benjamin de répondre. Benjamin, t'y vas ou pas? 6 frérot, 60 euros, jamais de la vie. J'en ai 3, c'est tout. Vas-y, vas-y, laisse-le. C'est bon? Vous allez pas? Ils vont où les points s'ils répondent? S'ils répondent pas, vous avez 6 points chacun. Super, vas-y. Daval? Allez. Brandao, Doria, Luis Gustavo. Ouais. C'est bien. Après là, ça commence à être compliqué. Moi j'en avais aucun de t'as dit, c'est parfait. Mais toi, mais non, j'en ça fait 15 secondes. Non, j'en ai les deux autres. Doria. Déjà dit. Fabio Santos. Qui connaît pas. Ah ouais, je vois aller en bas. Brandao, t'as dit. Ah, mais arrête de. Brandao, ah, vous avez pas le droit de parler, sinon tu prendras 0 point. On a tellement, il y a eu qui. Non, il y a eu que Brandao. C'est facile. Non, Luis Suarez, c'est un Colombien, quelque chose comme ça. Si, Gerson. Il reste 17 secondes. Mais je les aurais pas. 15 secondes. Gabi Enzo Argentin. À gauche. 5 secondes. Je les aurais pas. Putain, attends, t'en avais un qui est pas passé loin de ta boue, je crois. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Quand t'as commencé. Ah, après, c'est dommage, la vache. Luis Suarez, de Luis Enrique, gros. Alors, il y avait, si on remonte loin en arrière, messieurs, si on remonte loin en arrière, il y avait Pires Constantino, on les connaît pas, ceux-là, Edson, Adriano, Marcelinho, Dil, Fernandão, André Luis, Eduardo Costa, Demetrius Ferreira, André Luis encore, un autre, Carlos Moser, il est brésilien, Ellington Andrade, Lucas Silva, Doria, Luis Gustavo, Lucas Mendes, Brandao, Hilton, Sonny Anderson, Carlos Moser, Jairzinho, Paulo César, Gerson, Luis Enrique. T'en avais combien toi en plus que j'avais pas? J'en avais 5. J'avais les 5 que t'as cité. Pourquoi t'as pas de couilles alors? Bah parce que t'as dit 6. J'ai dit, frère, feu. Moi j'ai zéro mémoire en plus. La moitié des mecs qu'il a dit, je les connais pas, je vais pas te mentir. 6 points pour Castelin. Beau boulot. 3 points pour Prad et 3 points pour Castelin. Pardon oui. Comment ça? J'ai décidé comme ça parce que t'as parlé pendant qu'il était en train de réfléchir. Ouais, c'est, non, c'est insupportable, sinon je les aurais trouvés. C'est vrai. Pareil, enchères. On commence par Benja, qui va nous donner ses enchères. Brésilien toujours, mais ayant joué à l'Olympique Lyonnais. Oh putain. Ouah, quoi, chef, là par contre, il y en a déjà beaucoup plus. Tu veux que je lance le chrono? 8. Castelin. Toujours 60. 8, je laisse Benja. Bon, vas-y, fais. 9. 9. Bah oui, je te laisse. C'est attends. Bon 3, 2, 1, top. Michel Bastos, Chris, Juninho, oui. Fred, oui. Giovanni Albert, oui. Putain, je bloque là. Bruno Guimaraes, oui. Jairzinho, ah. Jeffinho, pardon, Jeffinho, je 7, je Fabio Santos, que j'ai dit tout à l'heure, et Enrique, latéral gauche actuellement.
Bah voilà. J'avais exactement les mêmes. Bah voilà. Il te manque Paqueta, il te manque Juninho, Chris. Juninho, Chris, quand même. Oui. Il te manque Anderson, Edmilson, Cassapa, Juninho, Dilmar. Cassapa, j'allais dire. Cassapa, c'est j'avais même plus, il était. J'ai même pas pensé. Kleber, ouais. Anderson, ouais, Ederson, ouais. Raphaël, ouais. Marsal, Marcelo, Jean-Lucas, ouais. Camilo. François Clerc aussi. Camilo. On embrasse, Andrézieux va descendre, on embrasse François Clerc. Thiago Mendes, Tété. Ouais, il y en a vraiment 1000. 9 points pour la Varenne. Cumule, elle est à 10 points. Face à 6 et 6. Hein? Bah t'as 10 points pour l'instant. Pourquoi 10? Bah parce que 9. Points avec ça, 9, t'en as mis 9. 9, okay. 9 et 3, ça fait 12. Pourquoi 3? J'avais pas eu 3 pour la première réponse. Ah non, c'était un point. Bon, ouais. C'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Bon bah non, c'est pas cher payé. À qui dis-tu? Eh bah alors messieurs, dernier jeu, dernière enchère. Sur la liste des, je crois qu'ils sont 22, de France 98, Castelin, combien de joueurs tu peux me citer? Oh mais gros... Wow. 16 en 60 secondes. Hein. Ouais. 16 ouais, faut chou. Combien 16. 16 16 je pourrais aller. Moi j'ai toujours envie d'en faire plus, mais je vous laisse quand même. Je vais vous laisser la parole. 17 Ok, 17. Castelin, tu vas enchaîner ou pas? Parce qu'il y a un message dans le chat, il faut que je vous le lise quand même. Vas-y. C'est le message d'un nouveau d'une personne qui utilise le chat pour la première fois qui s'appelle Antoine Payard Connard. Qui dit salut les trompettes, sympa le débrief et gros point positif, c'est malgré les blessures de plusieurs joueurs, les résultats suivent, continuez bien. Mais c'était le pseudo qui me plaisait beaucoup, je voulais partager avec vous. Merci la trompette. Ça, je trouve, c'est pas lui. Ah oui. C'est encore plus drôle. Alors, 17, Castelin, tu vas sur 18 ou pas? Non, vas-y, je le laisse faire, mais je pense que c'est complètement jouable. On essaiera après de trouver ceux qu'il n'a pas trouvé. Bah, là, t'es prêt? Le truc, c'est qu'il faut être rapide. Je pense, c'est sûr. Là, c'est. Si tu n'y arrives pas, c'est. Si tu arrives, tu gagnes. Sinon, c'est la Varenne. Mmh. Et tu finis bon 3ème, comme d'hab. 3, 2, 1, top! Barthez, Lama, Charbonnier, De Sailly, Deschamps, Leboeuf, Laurent Blanc, Lizarazu, Henri Trezeguet, Djorkaeff, Zidane, Pires. Fais gaffe qu'il double pas, toi. Vira, il y est dans le merdier. Vira, il y est dans le merdier. Mais Vira, alors. Vira, Diomède, Guy Varche. Il y a qui dans cette affaire? J'en oublie des vrais, non? Je sais pas combien on est, là. T'es à 16. Je crois que je suis à 16 et t'en manques 1. Il en manque 1, là? Non, il en manque 2, il en a 18. T'avais 18, pardon. Il en manque 2. Il en manque 2? Il reste 20 secondes. Putain, il manque qui, gros? Facile, 8 secondes. Moi, je les ai, les deux qui te manquent. Ouais, bah moi, je les ai tous. Je les ai tous. Wiltord, il est pas, lui. Non, ouais. Il est trop vieux, trop vieux. Top! C'est... Wiltord, Dugarry, Henri... Henri, il l'a dit. Dugarry, 6x7, 6x7. 6x7. Bogossian. 6x7, ça fait combien? 21. Pourquoi? 6x7. Ah non, 6x7, 42. Donc, Christian. Non, 42. Christian, 42. Petit, tu l'as dit aussi? Non. Il a pas dit Candela, il a pas dit Thuram, je crois. Thuram, j'ai pas dit Thuram. Tu crois pas? Putain. Je savais qu'il me manquait un peu. Diomed, Bogossian. Mais c'est là où j'ai perdu sur la défense. 42. Et ça permet de rien faire dans c'est ces jeux. C'est les 6 qui te manquaient. Encore une victoire. Putain, mais tu vois, quand dans l'after, tu vois, il y avait un truc sur le Real Madrid, sur les mecs qui avaient fait le plus de matchs. Tu sais, il y avait pareil, un truc à dire sur ceux qui avaient fait le plus de matchs. Il y avait aucun qui avait dit Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est vrai, c'est des trucs comme tu mets des trucs. Ouais, des fois, le truc le plus évident, tu l'oublies quoi, tu passes à côté. Mais là, t'as pas oublié ZZ. T'as pas oublié ZZ. Victoire encore écrasante du gardien et numéro 10 de la SSG Champagne. Je vais vous le faire la prochaine fois si vous voulez. Peut-être que Fournet. Je gagnerai. Bah. Ouais, mais ça va être chiant après. Mais tu vois, je me demande si j'en ai pas plus de 98 que de 2018. Ouais, 2018, t'as les 23 gros. Chante la chanson de Végétrip, t'as les 23. Tu crois pas qu'on a déjà oublié des imposteurs dans cette équipe? Non. On n'oubliera jamais Thauvin. Et Ravi. On va Edzonzi. Edzonzi. Edzonzi, tu l'oublies pas. Tu l'oublies jamais. Non, quand tu cherches, tu l'as pas cherché. Je l'ai oublié. Ah, mais après, t'as les 60 secondes, tu vois aussi. Ouais, ça par contre, c'est compliqué, c'est sûr. Ouais, quand on prend pas. Mais si tu les as petit à petit, ça va te revenir. 2006, je pense qu'on les a aussi tous. Après 23 pour pas faire une erreur, c'est vrai que pas avoir un seul oubli, toujours un peu compliqué.
Ouais, c'est vrai que fais voir, je regarde un peu. Ouais, non, à part Nzonzi, je pense que j'aurais oublié peut-être Lemar. Non, ouais, ça ne viendrait pas comme ça. Quoi. Fekir. Ah, Fekir, il serait revenu. J'aurais pensé. Après, c'est toujours facile à dire. Fekir, surtout qu'il a joué, quoi, je veux dire. Un petit peu. Bah écoutez, c'est très bien, encore une victoire de la Varenne. On finit cette émission. Victoire de la buvette. Encore une victoire de la buvette. Une belle victoire. On a une belle victoire. La victoire sur la technologie. Sur la technologie, presque. Exactement. Sur la vie, finalement. On travaille sur la forme, on travaille sur le fond ici. Hein. C'est énorme. À défaut d'avoir un fond qui est cohérent, on a quand même de la forme avec Benja qui nous a créé quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est extra. Bravo. Ouais. C'est extra, c'est écrit, c'est extra. Toujours pas merci à tous de gagner, mais... Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'oubliez toujours pas de vous abonner. On a changé l'horaire, vous avez remarqué, c'est le lundi. On va essayer de s'y tenir et de faire tous les lundis maintenant pour faire un débrief du week-end. Et puis vous commencez la semaine avec la buvette. Et ça, il n'y a pas mieux. Quel pied. C'est toujours mieux que l'amour est dans le pré le lundi soir. Exactement. On prend ce créneau-là. Sur ce, on vous souhaite une belle fin de soirée à tous et à toutes. Et une bonne semaine. Une bonne semaine. Et comme on dit chez nous, à mardi. À mardi. À mardi. À mardi.